إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عفوا. كويت mercredi, nous sommes mercredi le 21 Dhul-Hijja 1427, c'est-à-dire le 10 janvier 2007 bi-idhni azza wa jal. La fois passée, quand on a parlé de, on a expliqué quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer le nouveau hadith, et comme je le fais yani, d'habitude, on va réviser quelques hadiths. On va seulement les lire comme ça parce qu'on les a déjà expliqués. Juste pour yani, commencer بإذن عز وجل, juste avant de commencer بإذن عز وجل le dars. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit que إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. Avait dit que le shaitan nous venait dans la salat et il nous venait partout, mais il vient spécialement aussi dans la salat. On avait dit une fois dans un autre hadith que ce shaitan s'appelait Khinzab. Il a un nom, il s'appelle Khinzab. Et ce shaitan, il est spécial pour la salat. Il vient spécialement pour embrouiller la salat. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce shaitan, quand il vient, il t'embrouille la salat de façon à ce que tu ne saches plus ce que tu as fait. Il a dit, celui qui fait la prière, avant de dire salam alaykum, il fait deux prosternations. Ensuite, il fait tashahhud et il dit salam alaykum. Celui-là, c'est pour celui qui ne sait pas yani, ce qui s'est passé dans la salat bi'idhni azza wa jal. Non, celui-là, il n'est pas dans le mail. C'est pour ça que j'ai peur qu'il n'y a pas concordance entre moi et toi. J'ai peur. Je ne l'ai pas donné dans le mail, celui-là. Aujourd'hui, je ne l'ai pas donné. Non, c'est une révision de... Ça fait longtemps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith aussi sahih qu'on avait dit, il avait dit, inna sabra inda sadmatil oula. Il a dit, inna sabra inda sadmatil oula. C'est-à-dire que la patience doit être quand c'est surtout au premier choc. C'est au premier choc que on voit que quelqu'un, est-ce qu'il est patient ou il n'est pas patient. On avait dit que la cause de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un cimetière, il a vu une femme en train de pleurer devant une tombe. Il lui a dit ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. Elle lui a dit ilayka anni, elle lui a dit éloigne-toi de moi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum lui ont dit, est-ce que yani, tu sais à qui tu as parlé? Elle a dit je ne sais pas. On lui a dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a couru derrière lui et quand elle est arrivée chez lui, elle lui a dit, il était à la maison où là il était assis avec un groupe de gens. Elle lui a dit, elle a dit d'abord qui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a montré, elle a dit Allah, excuse-moi Allah, je ne savais pas que tu étais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là il a dit le hadith, il a dit inna sabra inda sadmati al-ula. Il a dit on connaît que quelqu'un yani est patient, c'est quand il reçoit le premier choc. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que quand on reçoit le premier choc, c'est là nos actes vont prouver est-ce qu'on est vraiment croyant, est-ce qu'on on croit vraiment au destin, ou là seulement on parle comme ça. Yani on parle, on a une langue qui est longue, on parle beaucoup, mais devant les actes on est très faible. Car quand on nous annonce
mauvaise nouvelle, قدر الله, قدر الله, لا قدر الله, ce n'est pas tout le monde qui patiente. Mais après une période, après un mois, après une semaine, après, tout le monde patiente. C'est pour ça que le vrai croyant, c'est celui qui patiente dans le premier choc. Quand il a le choc, il patiente. Quand tu as patienté après, tout le monde patiente, comme vous savez. Et maintenant, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Il reste un hadith, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit pour le réviser ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقه فكلما ركع أو سجد تسقطت عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que à chaque fois que le croyant ou le serviteur rentre dans la salat et commence à faire la prière, dès qu'il se lève pour dire Allahu Akbar, ou bien dès qu'il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala lui met tous ses péchés et toutes ses fautes sur sa tête et sur ses épaules. Naam. Comme ça, un grand fardeau. C'est comme une montagne que nous on voit pas, bien sûr. Allah Azza wa Jal, par sûrement, il demande aux anges de faire cela. Ils prennent tous ses péchés et toutes ses fautes, on va les lui mettre sur sa tête et sur ses épaules. Il a dit, فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَقَطَتْ عَنْهُ. Et à chaque fois que le croyant, à chaque fois que celui qui fait la prière, fait une inclinaison, ou bien il fait une prosternation, elle commence à tomber. C'est-à-dire, quand tu t'inclines, elle commence à tomber, les fautes et les péchés. Dès que tu dis, سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ, ça s'arrête de tomber. Tu te prosternes. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان أو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. À chaque fois que ton front touche le sol, masha'Allah, les fautes et les péchés sont en train de tomber. Donc c'est dire quoi? C'est dire l'avantage de celui qui, lorsqu'il fait la prière, il l'allonge. Il ne fait pas comme le courbeau qui picore les grains, mais il l'allonge. Yani quand il fait une inclinaison, il reste assez longtemps. Pourquoi? Parce que c'est lui le gagnant et c'est lui le perdant, comme il veut. Il veut faire tomber beaucoup de péchés, qu'il allonge son inclinaison. Il ne veut pas qu'il fasse son inclinaison vite. Il veut faire tomber beaucoup de péchés, qu'il fasse une prosternation assez longue. S'il ne veut pas, c'est lui le grand perdant. C'est pour ça que qu'il va venir Yom Al-Qiyam avec beaucoup de péchés, Allah Azza wa Jal peut lui dire, moi je t'ai donné une occasion en mort. Une occasion en mort. À chaque fois que tu rentres dans la prière, je t'annule tes péchés quand tu t'inclines et quand tu te prosternes. Mais toi, tu ne veux pas allonger, tu fais vite. Donc, tes péchés sont toujours avec toi aujourd'hui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne la concentration, qui nous aide à allonger l'inclinaison et la prosternation. Parce que quand on n'a pas la concentration, le khushu', quand on n'a pas le khushu', non seulement on ne veut pas allonger la prosternation et l'inclinaison, mais on n'a même pas envie de faire la salat. Non, quand il n'y a pas le khushu', c'est-à-dire personne ne veut faire la salat surérogatoire, nafila. Personne ne veut la faire. Alors il fait seulement l'obligatoire et il le fait comme ça. C'est un fardeau, c'est un lourd fardeau, une grande montagne sur les épaules. Mais si on avait la concentration, personne ne serait sorti de la salat. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي salat. Il a dit قُرَّةُ عَيْنِ, je ne sais pas comment on dit ça, les délices de mes yeux, c'est la salat. Tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie, pour moi, il dit, c'est quand je fais la salat. Sallallahu alayhi wa sallam. On commence alors le premier hadith d'aujourd'hui, hadith 1684. Naam, hadith 1600, la joie de mes yeux. Qurratu ayni, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la joie de mes yeux, c'est la salat. La joie de mes yeux. Naam, c'est pour ça que dès qu'il lui arrivait quelque chose, il rentrait dans la salat. Kana ida hazibahu amr, dakhala fi salat. Dès que ça lui arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait directement dans la salle. Dès qu'il a un problème, on rentre directement dans la salle. Pourquoi? Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de
d'éloigner ce problème, de le dissiper, d'éloigner de nous yani ce mouchkila qui vient de venir. Parce que personne ne peut éloigner de nous les problèmes que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est très étroite, bien sûr, il va directement à Allah subhanahu wa ta'ala quand il a des choses. D'ailleurs, comme ça, tous les prophètes, vous vous rappelez de Ibrahim, alayhi wa ala nabiyina salatu salam, quand le roi lui a enlevé sa femme Sarah, qu'a fait Ibrahim alayhi salam? Il est rentré directement dans la salat. Naam, des hommes, des soldats sont venus lui prendre sa femme Sarah de force. Pourquoi on l'a prise? Pourquoi? Pour que le roi voulait faire le haram avec elle. Naam, le roi voulait faire le haram, la zina avec elle, la fornication. Qu'a fait Ibrahim alayhi salam? Il est rentré dans la salat. Naam, pourquoi? La salat, c'est très très important pour celui qui sait qu'est-ce que c'est la salat. Celui qui croit que la salat, c'est tu montes et tu descends, c'est du sport, celui-là, bien sûr, pour lui, elle n'a pas beaucoup d'importance. Mais les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala savent ce que c'est la salat. Savent que quand tu dis Allahu Akbar, juste tu dis Allahu Akbar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met son visage en face de ton visage. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est un peu grave même. Tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala met son visage en face de ton visage. Tant que tu ne tournes pas à droite ou à gauche. En face et tu es en train de lui parler. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et lui il te répond, il dit Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma Aliya Abdi. Et comme ça. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Dans le hadith 1684. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Celui fa in naja minhu fa ma ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashaddu minhu. Naam. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Celui qui est épargné de celle-ci, c'est-à-dire de la tombe, celui-là viendra, ou là, celui qui viendra, ça lui sera plus facile. Ce qui viendra, yani après la tombe, lui sera plus facile. Et celui qui n'échappe pas à celle-ci, yani celui qui n'échappe pas à ce qu'il y a dans la tombe, ce qui suivra sera plus dur. Naam. C'est pour ça que je vous rappelle un hadith qui est très connu. Je vous rappelle bin Azza wa Jal un hadith qui est très connu et qui, malgré cela, il n'est pas vrai. Allah l'a dit, il est faible. C'est pour savoir que ce n'est pas tous les hadiths qu'on entend, ça veut dire qu'ils sont authentiques. On entend des centaines de hadiths qui ne sont pas vrais. Je vais vous dire quelqu'un très connu et il n'est pas vrai ce hadith. C'est le hadith où on dit. Rouya, où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-qabru rawdatun min riyad al-jannah ou hufratun min hufar al-nar. Naam, ce hadith est très connu, beaucoup de gens le disent. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il n'a pas dit entre parenthèses, ils disent il a dit la tombe c'est ou bien yani un jardin ou des jardins rawda min riyad al-jannah ou bien c'est un trou, des trous de l'enfer. Non, c'est très connu ce hadith. Il n'est pas vrai. Le hadith qui est vrai, c'est celui qui est affiché ici. C'est un hadith hasan. Il est bon. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Celui qui est épargné de la tombe et de ses supplices, tout ce qui viendra après sera facile pour lui. Et celui qui ne sera pas épargné et qui sera châtié dans la tombe, ça veut dire que celui, ce qui va suivre, ça va être plus dur. Non, il n'y a pas plus difficile, comme vous savez, que ce qu'il y a dans la tombe. C'est la première étape. La première étape de l'après-mort. Quand on meurt, la première étape, c'est quoi? C'est on va rentrer dans la tombe. Si on trouve là-bas les choses, masha'Allah, ça veut dire que ce qui nous attend est masha'Allah. Si on trouve là-bas les scorpions et les serpents,
et les choses affreuses et horribles, ça veut dire que ce qui est en haut, c'est encore plus grave. En ce qui concerne ce qu'il y a dans la tombe, en ce qui concerne ce qu'il y a dans la tombe, on va dire ce hadith qui est très important, le hadith sahih bien sûr, Afwan, qui est très important, qui dit en détail ce qui se passe dans la tombe bi'idhn Azza wa Jal, qui dit en détail ce qui se passe bi'idhn Azza wa Jal dans la tombe. Non. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. C'est-à-dire que quand on met le serviteur, quand on met l'abd, l'abd disons en général, l'être humain, quand on le met dans sa tombe, وتولى عنه قبره, et que ceux qui étaient avec lui partent, naam. Parce que quand on met quelqu'un dans une tombe, on va pas rester une heure, même si c'est la personne qu'on aime le plus. Ah, on aime beaucoup cette personne, mais la ghalb, maintenant moi je vais pas rester avec toi toute la journée ici au cimetière. Il y a ma femme et mes enfants qui m'attendent, et il y a l'héritage qui m'attend. Moi je vais prendre l'héritage, les voitures que tu as laissées et les palais, hein, je vais profiter de ça. Mais toi, tu es mort, Allah yarhamak, tu peux rien te faire, Allah yarhamak, je vais te faire des doigts, c'est tout. L'essentiel, c'est, là, c'est ce que tu as laissé, bi'idhn Azza wa Jal. C'est comme ça que pensent les gens, bien sûr. Donc, il a dit, quand on met quelqu'un dans la tombe et que les gens reviennent, hatta, innahu yisma'u qal'ani alihim. Il a dit, au point où il entend leur pas. Naam, il entend leur pas, yani, en train de partir lorsqu'il bon il a dit atah malakan fayuq'idanihi, alors deux anges viennent vers lui et le font asseoir. Fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, il lui disait que disais-tu de cet homme, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que disais-tu de cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr Muhammad pour ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont venus après, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur demande que disais-tu de cet homme, c'est-à-dire du prophète qui était en leur temps. Naam, en leur temps. Il a dit فَأَمَّا الْمُؤْمِنْ فَيَقُولُ, quant au croyant, il répondra أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. Il a dit je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Fayuqalu lahu, alors les anges lui diront Undur ila maq'adika min an-nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan min al-jannah. Naam, ils vont lui dire regarde ta place, undur ila maq'adika min an-nar, regarde ta place en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala t'en a fait changer une autre au paradis. Fayarahuma jami'an, et il les voit les deux à la fois. Naam, on lui montre les deux à la fois, on lui dit regarde ta place en enfer, il commence à voir sa place en enfer jusqu'à ce que bien sûr il va avoir très peur. Ensuite on lui dit regarde maintenant, puisque tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en son prophète, tu étais pieux bien sûr, maintenant regarde comment Allah azza wa jalla t'a changé. Il t'a donné cette place et lui montre la place du paradis. Ensuite, il a dit وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَعًا. Ensuite, Allah Azza wa Jal va donner l'ordre qu'on lui agrandisse, élargisse sa tombe de 35 mètres. 35 mètres en longueur et en largeur. Déjà, ça va être, yani, mashallah, imagine 35 sur 35. Combien ça donne en mètres carrés. وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَاضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ensuite, Allah Azza wa Jal va yani, lui mettre dans sa tombe yani, de la verdure. Yani, la verdure. Tout est vert jusqu'à ce qu'il y ait le jour de la résurrection. وَأَمَّا الْكَافِرُ, alors que le kafir est l'hypocrite, ou le munafiq, فَيُقَالُ لَهُ
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ On lui dira, qu'est-ce que tu disais sur cet homme? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فيقول لا يدري, فيقول لا أدري. Il dira, je ne sais pas. كنت أقول ما يقول الناس. Je ne sais pas. Je disais ce que disaient les gens. نعم, je disais ce que disaient les gens. فيقال له لا داريت ولا تاليت. Tu n'as donc rien su de la vérité et tu ne l'as pas suivi. ولا تاليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه. Ensuite, avec un marteau de fer, ils vont lui asséner un violent coup entre les oreilles, au-dessus de la nuque, au-dessus de la nuque, en bas, entre les oreilles, on va lui donner يعني, un coup يعني, très 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 fort et très très violent, un coup entre les oreilles, par derrière. فيصيح صيحة يسمعها من يلي. Dans un autre hadith il est dit, dans un autre hadith صحيح, il est dit qu'une montagne s'effondrerait sous l'effet d'un tel coup. Si l'ange qui l'a frappé, cette frappe, au lieu de frapper cette personne, avait frappé une montagne, elle se serait effondrée. Imaginez une montagne avec des tonnes de kilos, des tonnes. Il la frappe des rochers et elle va s'effondrer. Imaginez l'être humain skinada, le faible. Quand il va être frappé entre les nuques avec ce marteau. Il a dit فيسمعه نعم فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير ثقلين. يعني il, comment on dit, il va crier ou quelque chose comme ça, يعني au point que tous vont l'entendre, tous, sauf celui qui ne va pas l'entendre, c'est qui? يعني il va pousser un hurlement qu'entendront tous ceux qui l'entourent, à l'exclusion des djinns et des humains. Seulement cela, il va hurler, na'am, seulement les djinns et les êtres humains ne vont pas l'entendre. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. Comme Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'ordre à la terre de le compresser. Le compresse jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Les côtes qui sont à droite vont aller à gauche, les côtes qui sont à gauche vont aller à droite. Dans un autre hadith qui est véridique aussi, il est dit que quand il ne répondra pas, il ne saura pas la réponse, on lui montrera sa place au paradis. Ensuite, on lui dira, tu as vu ce que tu as raté, si tu avais, yani, regarde ce que tu aurais, si tu avais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu avais cru en son prophète. Mais puisque tu as désobéi, tu n'as pas cru, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont lui montrer sa place en enfer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre quelle est la hikma, la sagesse. Pourquoi le croyant, on ne lui montre pas directement le paradis? Pourquoi au croyant, on va montrer d'abord l'enfer, ensuite le paradis? Et pourquoi au kafir, au mécréant, on va montrer d'abord le paradis, ensuite l'enfer? Naam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, liyazdada المؤمن فرحا إلى فرحه ويزداد الكافر حسرة إلى حسرته. C'est-à-dire à peu près pour que sa joie, يعني le croyant, pour que sa joie يعني soit encore plus grande. نعم, parce que quand on te dit il y a seulement le paradis, voilà ta place, tu vas y aller, يعني tu as une seule joie. Mais quand on dit regarde l'enfer, où tu allais y aller et tu ne vas pas y aller, ah là, c'est pour que le croyant se réjouisse encore plus. Il se réjouit deux fois. Pour aller au paradis et pour ne pas aller en enfer. Ne pas aller en enfer, c'est aussi une grande jouissance. Naam. Il n'y a pas seulement tu vas au paradis. Il y a ce qui est peut-être plus grave, c'est, alhamdoulilah, de ne pas aller en enfer. Naam, ne pas aller en enfer. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytaha. Ya Allah, quiconque tu fais rentrer en enfer, là, tu l'as avilé, tu l'as humilié, quiconque va en enfer. Donc, c'est pour ça que la plus grande joie, c'est d'abord de ne pas aller en enfer, et la deuxième joie, c'est d'aller au paradis. Et la même chose pour le kafir. On lui montre d'abord le paradis. Pourquoi? Parce que, pour qu'il sente, il sente ce qu'il a perdu. Regarde le paradis, comment, yani, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Yani, on lui donne une vue générale, et ensuite on lui dit, celui-là, cette chose-là, tu ne vas pas l'avoir. Et regarde maintenant où tu vas aller en enfer. Donc il va avoir deux contraires de joie.
au contraire de la joie. Deux fois, naam, deux grands soucis. Le premier souci, c'est de ne pas aller au paradis. Le deuxième grand souci, c'est quoi? C'est d'aller en enfer. Naam, c'est une sagesse. Tout ça, c'est une sagesse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih aussi, bien sûr. Maintenant, il va parler de grands malheurs. Il va parler à peu près en détail du comment ça se passe dans le qabr bi'idhnillah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car il était une fois, d'ailleurs le hadith il est sahih, bien sûr, peut-être tout le monde le connaît ce hadith, c'est le hadith de, si je ne me trompe pas, c'est Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, nous sommes sortis une fois vers le cimetière de Medina en l'occasion d'un enterrement en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous sommes assis autour de lui. Il a dit, nous étions tellement silencieux et tranquilles que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Ça, c'est le compagnon dit. Ensuite, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un bâton dans sa main, qu'il utilisait pour gratter la terre, il a dit, il leva alors la tête et dit, deux ou trois fois, demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala yani an yaqiyakum adab al-qabr, trois fois demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui la protection contre le châtiment de la tombe. Ensuite il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, voilà le hadith, il a dit innal 'abd al-mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Il a dit lorsque le serviteur croyant n'am est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre. Il y a un instant où, vous savez, il y a trois grandes étapes. Cette étape où on vit ici, cette étape où on vit dans la tombe, et la troisième étape où on vit dans le paradis ou là l'enfer. Et il y a, quand on est dans cette étape, il y a un moment où on est un pied ici, un pied dans l'au-delà. Un pied ici, un pied dans l'au-delà. L'au-delà, ça s'appelle le barzakh. Le barzakh, c'est tout ce qu'il y a après la mort, avant le jour de la résurrection, la tombe, etc. Ça s'appelle barzakh. Hein? On est dans un deuxième monde avant d'aller au troisième monde. Le dernier, c'est le paradis ou bien l'enfer. Je disais, quand quelqu'un avant de mourir, quand il commence à agoniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà un pied ici et un pied dans l'autre monde. À cet instant, exactement, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. Il y a des anges qui descendent du ciel au visage resplendissant. Yani, mashallah, qui yani nour, la lumière dans leur visage. كأن وجوههم شمس. C'est comme si leur visage était un véritable soleil. Il a dit, معهم كفن من أكفان الجنة. Ces anges, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Naam, ma'hum kafnun min al-jannah wa hanut min hanut al-jannah. Ils ont avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Bien sûr, on parle de qui? Maintenant, on est en train de parler du serviteur croyant, de celui qui meurt croyant, celui qui faisait la salat, qui avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de celui-là. Il voit les anges avec un visage resplendissant, masha'Allah, et avec un linceul, et en même temps du parfum du paradis. C'est déjà pour dire que, déjà la personne, quand elle voit ses anges, elle commence à sentir le bon parfum, elle sait déjà, bi'idhnillah, quelle est la place qui l'attend, masha'Allah, masha'Allah. Il a dit, hatta yijlisu minhu mudd al-basar. Ses anges vont s'asseoir avec lui, et ils seront tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, regarde, quand est-ce qu'il peut regarder au loin? Regardez, par exemple, 10 km, 15 km au loin, s'il n'y a rien. C'est comme ça, les anges qui seront tellement nombreux qu'ils prennent toute cette distance jusqu'à ce que son regard ne puisse plus voir. Subhanallah al-Azim. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Ensuite,
vient l'ange de la mort, Malakul Maut, Naam, jusqu'à l'horizon. Ensuite vient Malakul Maut, Malakul Maut, jusqu'à ce qu'il, pour qu'il s'asseye devant quoi? Il s'asseye devant lui, devant celui qui va mourir, celui qui est mourant. Et vous remarquez qu'on a dit Malakul Maut et on n'a pas dit Azraïl, parce que Azraïl, ça n'existe pas ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il y a Mikaël et Mikael, et il y a Djibril, et il y a Israfil. Et il n'y a pas Azraïl dans le Coran. Ensuite, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand Malik al-Maut va s'asseoir à côté de lui, il va lui dire, s'asseoir auprès de sa tête, il lui dit, « Oh âme pure, ayatouha nafsu tayyiba, oh âme pure, ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan, oh âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors vous remarquez, barakallahu fikum, remarquez que disent l'ange ou la que dit Malik al-Maut, qu'est-ce qu'il dit? Ô âme pure. Donc il faut que l'âme soit vraiment pure. D'ailleurs nous, quel est notre but dans cette vie? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et triomphera et gagnera celui qui a fait de son âme une âme pure. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Vous connaissez tous ce verset. Qad aflaha man zakkaha, a triomphé, a gagné celui qui a fait la tazkiya, la purification de son âme. Celui-là a triomphé. Wa qad khaba man dassaha, et a perdu celui qui n'a pas fait la purification de son âme. Purifier son âme, comment qu'on peut la purifier? On va chez le wasmou, on va chez le comment ça s'appelle, le saïdali, on va chez le pharmacien, on lui dit donne-moi quelque chose, je veux purifier mon âme. C'est impossible. On la purifie en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla qui nous a créé, lui seul connaît comment qu'est faite cette âme. Is'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa mawtitu min 'ilmi illa qalila. On te demande l'âme comment qu'elle est faite, ça dit c'est une chose d'Allah et vous n'avez de science qu'un peu. Ce que vous avez comme science c'est très peu. La preuve, personne ne peut savoir cette âme, comment qu'elle vient, comment qu'elle part, où elle est, etc. Personne ne sait. Donc, pour la purifier, il faut suivre les conseils et de qui? De celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, lui seul sait comment purifier cette âme. C'est pour ça qu'il a fait descendre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a demandé de purifier notre âme si on veut demain yani, aller au paradis. C'est pour ça que les anges, quand ils viendront, ils diront salamun alaykum tibtum, salamun alaykum, ils diront aux croyants salamun alaykum tibtum, mashallah, le mot purifié, tayyib, vous étiez tayyibin, parce que le paradis ne le rentrera que la personne qui s'est purifiée. Celui qui ne s'est pas purifié, même s'il est croyant, il commencera par jahannam, il restera là-bas je ne sais pas combien, d'après la souillure qu'il a dans le cœur. Il peut rester 10 ans, 1 an, 1 heure, 100 ans, Allah Ta'ala A'lam. Il doit passer par Jahannam. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer au paradis avec la souillure. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un voulait rentrer dans la mosquée en étant sourd. En étant sourd, avec l'odeur du vin, et il est sourd. On lui dit, Smahna, d'accord, tu veux, on sait que tu aimes la mosquée, tu aimes la prière, Barakallahu Fik, mais Inch'Allah Ta'ala, laisse que yani, d'ici demain, tu sois conscient, ensuite, tu n'as plus d'odeur, tu te laves et tu viens, Inch'Allah Ta'ala. Alors, tu ne peux pas rentrer à la mosquée comme ça. La même chose, paradis, personne ne peut rentrer si, ici, son âme est souillée, ou l'ayyadu billah. Donc, il commencera par l'enfer. Ici, l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément d'Allah. Subhanahu azza wa jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Il a dit, quand Malik al-Maut dira à l'âme, ô âme pure, sors, etc., le prophète alayhi wa sallam a dit, elle s'écoulera et sortira alors aisément, comme la goutte coule de l'autre. Comme la goutte coule de l'autre. Naam. Elle coule facilement. Vous prenez une bouteille, vous penchez un peu la bouteille, et l'eau déjà commence à couler très facilement.
فيأخذها. Alors l'ange de la mort la saisira. Son âme est sortie, il l'a saisie. Malgré que elle sort comme ça facilement, bi'idhni azzawajal, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir? Il a dit Inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus aimée par Allah, quand il était en train d'agoniser, il tombait évanoui et il s'éveillait. Tombé évanoui, il s'éveillait, il disait La ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. Oh, la ilaha illallah. La mort a des sakarat. Sakarat, yani. Comme on dit par exemple les tourbillons, on sait plus ce qu'on fait, on s'évanouit, on se relève. C'est comme quelqu'un qui yiskara, quelqu'un qui yissoui, il sait plus ce qu'il fait. Quand il vient là, tellement quoi, tellement c'est difficile, bien sûr. Tellement c'est difficile. Il a dit donc, quand elle sort, l'ange de la mort la prendra, la saisira. فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها. Il a dit, dès que l'ange de la mort l'a saisi, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils sautent sur cette âme et la prennent de la main de Malik al-Maut. Non. Un instant, ils la laissent pas. Ils la prennent. فَيَجْعَلُونَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنْ وَفِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ. Pourquoi qu'ils la prennent? Pour la mettre où? Pour qu'ils la mettent dans le linceul et qui commence à la parfumer. Naam, masha'Allah, ils sont contents de cette âme qui va aller, masha'Allah, au paradis, qui commence déjà à la parfumer. Ils la remplissent de parfum. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكِنْ وُجِدْتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Quand ils commencent à la parfumer, alors émane d'elle un parfum, yani, il dit ici, كأطيب نفحة مسكين وجدت على وجه الأرض. Comparable, un parfum comparable à la meilleure flagrance de musc qui puisse être trouvé sur terre. Naam. Imaginez le meilleur parfum du monde. Il doit avoir une très très bonne odeur. Si ce parfum qu'on va mettre aux morts, il est mieux que ce parfum. Naam. Le meilleur parfum qui puisse exister au monde. قال فيسعدون بها. Maintenant qu'ils l'ont mise dans le linceul, ils l'ont parfumé. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prophète alayhi sallam, il dit, alors ils vont monter avec son âme. Ils vont monter avec son âme. C'est-à-dire ils vont monter vers le ciel. Il a dit, فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّن مَلَئِكَ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبَ. Alors maintenant pour monter d'ici, de la terre au premier ciel, combien qu'il y a de kilomètres? Des milliers, des milliards de kilomètres. Seulement pour arriver au premier ciel. Yani, ne pas rentrer, juste arriver à la porte. Vous savez qu'il y a sept cieux. Chaque ciel a une porte, une grande porte. Les cieux, c'est pas yani, quiconque rentre, quiconque sort. Il y a des portes. Il y a une grande porte pour rentrer, pour demander la permission, on t'ouvre, etc. C'est pas n'importe qui. C'est un garage. Celui qui vient, il stationne, il rentre. Non, personne ne rentre. Il faut demander la permission, on t'ouvre d'abord la porte du premier ciel. Donc d'ici au premier ciel, je dis, il y a des milliers de kilomètres, c'est plein de quoi, d'ici au premier ciel? C'est plein d'anges. Vous connaissez le hadith sahih qui dit que si vous mettez comme ça tous les quatre doigts, nos quatre doigts, quand on les groupe, tous les quatre doigts, combien ça dans quatre doigts? Peut-être 5 centimètres. Tous les 5 centimètres, ou bien disons 10 centimètres, il y a un ange qui fait la prière. Il est ou bien debout, ou bien prosterné, ou bien incliné. Vous connaissez le hadith. Donc, combien qu'il doit y avoir d'anges d'ici le premier ciel? Des milliards d'anges. Donc le hadith a dit, à chaque fois qu'ils passent devant les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est-à-dire les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, quelle est donc cette âme pure? Allah l'adim. Quelle est donc cette âme pure? Tellement ils sentent son parfum. Fayaqulun, Fulan ibn Fulan. بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Alors les anges aussi répondront, ils diront c'est l'âme de Antel, fils d'Antel. C'est l'âme de Mohammed, fils de par exemple Omar. C'est l'âme de Abdul Qadir, fils de comme ça de X. Il a dit et il la nomme en citant les plus beaux prénoms
par lesquels on le désignait dans ce monde. Naam. C'est pour ça que vous verrez alors que, après, inshallah, dans la suite, que s'il a des mauvais noms, s'il a des noms qui ne sont pas bien, on va le citer par les noms qu'il a, qui ne sont pas bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait jamais de quelqu'un qui avait un prénom ou un pseudo qui n'était pas bien. Toujours, il lui changeait. Il lui changeait son prénom pour qu'il soit bien. Ensuite, d'ailleurs, le mauvais prénom, il sera témoin contre toi. Non. Les anges, quand ils demanderont c'est l'âme de qui, ils vont dire c'est l'âme de X, là, le buveur de vin ou là, je ne sais pas quoi. Parce qu'on l'appelait comme ça. Donc, il vaut mieux, c'est obligé que quelqu'un change son prénom, son pseudo, pour qu'il le mette, yani, qu'il soit bien bien azawajal. Il a dit, حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا. Jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle au ciel, premier ciel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? فَيْسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ. Alors, ils demandent la permission d'entrer. Et celle-ci leur est accordée. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. Ensuite, l'accueilleront alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant. Parce que ces anges, ils vont s'arrêter ici au premier ciel, maintenant d'autres anges vont la faire monter jusqu'à l'autre ciel. حتى ينتهي إلى السماء السابعة. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle parvienne au septième ciel. Naam. C'est un voyage très long. C'est un voyage très long. Et, Inch'Allah Ta'ala, vous vous souviendrez, Inch'Allah Ta'ala, comme aujourd'hui. Vous direz, Subhanallah Al-Azim, on croyait, yani, c'était seulement un dars. Et vous vous verrez en train de monter dans les cieux. Et on se dira, Subhanallah. Qu'on rêve ou là c'est vrai, mais en fin de compte c'est une vérité, ce n'est pas un songe. Ce jour-là, tout le monde regrettera de ne pas avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir laissé son temps partir comme ça dans la désobéissance. Ce jour-là, quand on commencera à le faire monter dans les cieux, il regrettera, mais c'est trop tard, bien sûr, c'est trop tard. Il a dit فَيُشِيُّ نَعْمْ من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au septième ciel. Il y a sept cieux. Alors quand ils arrivent au septième ciel, فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين. Quand ils arriveront là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il dira consignez le livre de mon serviteur dans عليين. عليين, le plus haut endroit, au sujet duquel le Coran dit qu'il s'agit d'un livre cacheté, comme c'est le sort de Mutafikin. Alors, wa'aidu abdi ila al-ard, et retournez mon serviteur vers la terre. Khalas, Allah Azza wa Jal, il t'a donné, masha'Allah, l'agrément. Parce qu'il a dit, cette personne, mon serviteur, écrivez-lui mon livre dans le plus haut endroit, fi illiyin. Et maintenant, place, ça veut dire qu'il est ravi de cette personne. Il lui dit maintenant, descendez-le vers la terre. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ. Parce que c'est de la terre que je les ai créés. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. Et c'est vers elle que je les retourne. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Et c'est de la terre que je vais les faire sortir une nouvelle fois. Il a dit, فَتُعَادُ رُوحُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc son âme est ramené à son corps. Son âme est ramenée à son corps. Donc, quand ils l'ont fait descendre, l'Azou, je l'ai dit, je suis ravi de lui, faites-le descendre. Ça veut dire qu'ils vont le faire descendre où? Ils vont le faire rentrer dans la tombe. Dans la tombe. Ils vont faire rentrer son âme dans le corps que les gens, les parents du mort, ont pris au cimetière. Non. Lorsque les parents prennent le corps pour le mettre, pour l'enterrer, non. Les sœurs ont besoin d'écrire à une sœur en privé. J'ai pas compris à quelle sœur ils doivent écrire en privé. Je disais que, j'enlève à Oum Hamza qui est la première devant moi ici. J'enlève et j'écrive à Oum Hamza. J'ai dit que, de toute façon, je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas si Oum Hamza est là ou si elle n'est pas là. Je vais enlever aussi Oum Sakina. Je dis que
Non. Quand les gens vont faire enterrer quelqu'un, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils enterrent? Ils enterrent le corps. Non, ils enterrent le corps, pas l'âme. Où est l'âme? L'âme est montée vers le septième ciel si c'est un croyant. Et ensuite, elle descendra quand le corps sera dans le cimetière. Et là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, dans ce hadith lui-même, il a dit, m'arrêter, pardon. Non. Son âme est donc ramenée à son corps. Ensuite, il a dit, فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ. Alors deux anges viennent, ils le font asseoir, فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. Et lui demanderont, ils demanderont à cette personne, qui est ton, مَنْ هُوَ رَبُّكَ, disons, qui est ton Dieu? Non, qui est ton Dieu? Ou là, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? فَيَقُولَ رَبِّي اللَّهُ. Il dira, mon Seigneur est Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ. Ils lui diront, مَا دِينُكَ. C'est quoi ta religion? C'est quoi ta religion? يُجِيب فَيَقُولُ دِينِ الْإِسْلَامِ. Il dira, mon dîn, ma religion, c'est l'islam. Ils lui diront encore, فَيَقُولُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. نعم. Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? فَيَقُولَانِ. Plutôt, il dira, هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. Il va dire, c'est le prophète, c'est le messager d'Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ. Ils vont lui dire, et comment le sais-tu? Nam, d'où tiens-tu cela? Qui te l'a dit? Qui te l'a affirmé? Il répondra, فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. Nam, قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. J'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. Nam. Alors regardez, barakallahu fikoum, mais c'est quelque chose de très important. Que répondra le mort? Qu'est-ce qu'il dira quand on va lui demander quelle est la preuve, quel est le délit que c'est un prophète? D'où tu le sais? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté sa véracité. Dites-moi, barakallahu fikoum, parlez-moi des musulmans qui ne lisent jamais le Coran. Comment qu'ils vont répondre ce jour-là? Parlez-moi des musulmans qui, il existe, hein, sont peut-être peu, mais ça existe. Surtout peut-être les femmes, qui n'ont jamais de leur vie ouvert le livre du Coran, ni ne savent ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Et il dit, je suis musulman, il fait même peut-être la prière. Mais jamais sa vie n'a ouvert le livre. Ou bien, il l'ouvre le ramadan, c'est tout. Une fois par an, il l'ouvre. Une fois par an. Est-ce que celui-là, il va dire, j'ai lu le livre? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, ça veut dire Allah a dit, bien sûr, le prophète a dit, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Furqan, sourate Furqan 30. Et le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple, la ma tribu ou la mon peuple, inna qawmi ittakhadhu al-qur'ana mahjura, a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Ils ont délaissé le Coran. Oh Allah, mon peuple a délaissé le Coran. Comme ça dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a montré que délaisser le Coran, ça a 4 ou 5 étapes. Il y a délaisser, ne pas y croire. Ne pas y croire, ça c'est grave. C'est kafir. Et il y a délaisser, ne pas le lire. Il y a délaisser la lecture, ne pas le lire, délaisser la croyance, ne pas en croire, délaisser la compréhension. Il lit seulement, il n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qu'il y a. C'est il lit, c'est des choses bizarres, mais il n'essaie pas de comprendre. Comprend beaucoup de gens qui apprennent le Coran, juste pourquoi? Pour aller le lire s'il y a des morts. S'il y a des morts, il y a le couscous, il y a de la viande et du gigot, et il y a bouzellouf, la tête du mouton, alors il part lire. Il part lire le Coran. Naam, il va le lire pendant 2 ou 3 heures, mais avant cela, il fait avec toi un pacte. Il te dit combien tu veux que je te lise, hein? Combien tu vas me donner d'argent pour que je sache combien je vais lire. Combien tu vas me donner? Tu veux que je te lise pour 100 euros ou là 200 euros? Combien tu veux que je te lise? Allez, choisis. Tu as 20 euros, je vais lire juste un peu.
si on a يعني 50 ou 100 euros, je vais lire un peu. La hawla ou la quwwata illa billah, Allah al-musta'an. Ça existe cela. Naam. Il y a, comme je disais, ceux qui lisent et qui ne pratiquent pas. Cela aussi c'est grave. Lui qui lit le Coran, il ne pratique pas. Ça veut dire qu'il rend le Coran contre lui. Il rend le Coran contre lui. C'est pour ça que je me rappelle une fois, j'ai dit à une personne, pourquoi tu veux pas apprendre le Coran? Il m'a dit, j'aime pas, pourquoi tu lis pas beaucoup? Il m'a dit, j'aime pas lire pour ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Et pour que ça soit pas contre moi. Naam, regardez celui-là. Il se croit bien sûr intelligent, hein. Il se croit intelligent, il se dit, yani, alhamdoulilah, je sais pas ce qu'il y a pour que, yani, je sois pas obligé d'appliquer. Mais bien sûr, je peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est pas une excuse. Mais au moins, pourquoi? Au moins, il sait que quand on lit, on doit, bi'idna azza wa jal, appliquer ce qu'on lit. Naam. Sinon, on a lu pourquoi. Moi, quand je lis Wasmo, quand le pharmacien me donne, une ordonnance, hein? Le docteur me donne une ordonnance, ça veut dire que ce qu'il y a sur l'ordonnance, je dois l'appliquer. À quoi ça me sert que je prenne l'ordonnance et que je la lise du matin au soir? Naam. Panadol, Aspro, Aspirine, Véganine, je ne sais pas quoi, et j'achète rien et je dors. À quoi ça sert? Maintenant, ce qu'il y a sur l'ordonnance, il faut que je l'applique. Si vraiment j'ai peur de ma maladie, je vais courir chez le pharmacien et acheter les médicaments et bien sûr demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me guérir. Naam. Sinon l'ordonnance n'a aucune valeur. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien sûr après que cette personne ait bien répondu, je me suis arrêté, maintenant je dois aller un peu vite parce que il y a beaucoup de hadiths qui attendent. طيب il a dit qara'tu kitab Allah subhanahu wa ta'ala فأمنت به وصدقت. Dès qu'il dit que j'ai lu le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai lu son livre et j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté sa véracité, alors que dit le hadith, il dit فَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَا أَنْ صَدَقَ عَبْدِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, un appel est lancé du ciel, qu'est-ce qu'il dira? Mon serviteur a dit la vérité. صَدَقَ عَبْدِ. Subhanallah al-Azim. Dans la tombe, on entendra ça. Quand tu pars dans la tombe, tu réponds aux deux anges, Allah Azza wa Jalla, ou bien il va te dire ça, ce que tu as dit, ou bien il va te dire menteur, comme vous allez voir. Il a dit ici, mon serviteur a dit la vérité. Amen. Il dit aux anges, mon serviteur a dit la vérité, pour pas qu'il le frappe, bien sûr. Mon serviteur a dit la vérité. Il a dit, fa'afrishuhu min al-jannah. Tapissez donc le paradis pour lui. Amen. Tapisser sa tombe, faites de sorte, yani, des tapis du paradis. Commencez à lui tapisser la tombe, masha'Allah. Et habillez-le de vêtements du paradis. Donc, dans la tombe, déjà, on va lui mettre des tapis du paradis, et déjà, on va commencer à l'habiller des vêtements du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, waftahu lahu baban ila al-jannah. Naam. Et ouvrez-lui une porte du paradis. Une porte dans la tombe, on t'ouvre une porte qui donne sur le paradis. Tu ne peux pas y entrer, mais tu vois tout ce qui se passe. Ouvrez-lui une porte au paradis. De la tombe déjà, il commence à voir ce qu'il y a dans le paradis. Les arbres, les oiseaux, tout ce qu'il y a, il est en train de voir sa place, ses palais, ses rivières, ses mers, ses montagnes. À lui, il voit tout ça. Naam. Ensuite, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tayyatihi min rouhiha wa taybiha. Tayyatihi min rouhiha wa taybiha. Alors lui parviennent de sa brise, la brise, et de son parfum du paradis. Yani, il y a un vent comme ça, une brise, qui souffle vers lui, avec une très bonne odeur bien sûr, et un parfum. Ensuite, il a dit, fayuftahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Ensuite, sa tombe va être élargie jusqu'où porte le regard, jusqu'à l'horizon. Sa tombe va être élargie jusqu'où il peut voir au maximum. Ça va être des hectares et des hectares. La tombe qui n'était seulement qu'un mètre, un mètre et demi de longueur sur un demi-mètre va devenir des hectares et des hectares d'étendue. Naam.
Ensuite, il a dit, وَيَأْتِهِ رَجُلٌ. Ici, lui viendra un homme, حَسَنُ الْوَجْهِ, au beau visage, حَسَنُ الْثِيَابِ, bien habillé, طَيِّبُ الْرِيحِ, bien parfumé, فَيَقُولِ, أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ. Il lui dira, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَدْ. هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَدْ. Voici le jour qui t'avait été promis. Voici le jour qui t'avait été promis. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ. Alors le mort lui dira, qui es-tu? فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ. Qui es-tu? Ton visage est celui d'une personne qui apporte le bien. يعني ton visage, mashallah. يعني que le gens qui apporte le bien. فيقول, il répondra, أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. Je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, la salat, la zakat, tout ce que tu fais, les bonnes œuvres, tu donnes l'argent. Ça va se transformer en un homme. En un homme avec la description que je viens de donner. Un bel homme, au beau visage, beau, bon parfum, etc. C'est pour ça que cet ange-là, qui est un homme, te répondra et te dira, moi, je suis tes bonnes œuvres et tes bonnes actions. Ce que tu faisais, l'Azaoul m'a mis en forme d'homme. Naam. Alors le Fayaqoul, que dira alors le Mayit, le mort, qu'est-ce qu'il dira? Rabbi, aqim sa'a, Rabbi aqim sa'a, hatta arji'a ila ahli wa mali. Alors le mort, qu'est-ce qu'il dira? Quand il verra cet homme, il dira, ô mon Seigneur, fais survenir l'heure, yani la dernière heure. La dernière heure, yani il veut le jour de la résurrection. Pourquoi? Il a dit, afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Naam. Ma famille, yani il a laissé ses enfants, il a laissé sa femme, il a laissé son père, sa mère. Maintenant, qu'il sait qu'il va, mashallah, il va aller au paradis, etc. Donc il est pressé que, quand est-ce que va venir le jour de la résurrection. Naam. Et bien sûr, même si quelqu'un reste des milliards d'années dans sa tombe, ça sera comme yani, quelques heures, c'est tout. Naam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, hatta zurtum al maqabir, alhaakum al takathur hatta zurtum al maqabir. Al takathur, yani vous tellement vous parlez des choses yani futiles, hein, hatta zurtum al maqabir, jusqu'à ce que vous ayez visité la tombe. Pourquoi il a dit zurtum, visiter? Parce que la visite doit toujours se terminer et vite. Quand tu rends visite dans un musée ou là chez des amis ou là, tant que tu restes, mais il faut que tu reviennes chez toi. C'est seulement une visite. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a employé le mot visiter les tombes. Ça veut dire que yani, même si tu resteras des milliards d'années, tu dois quitter cet endroit. C'est une visite seulement, c'est pas une demeure éternelle. Naam. Comme disent beaucoup de gens maintenant quand ils se trompent, ils écrivent X, Allah yirhamou, est parti vers sa dernière demeure. X, Allah yirhamou, ghafar Allahu lahu, est parti vers sa dernière demeure. Ça, c'est grave de dire cette chose. Pourquoi? Parce que la tombe, ce n'est pas la dernière demeure. La dernière demeure, c'est le paradis ou bien l'enfer. La tombe, c'est seulement une visite. Une visite de quelques années, et une centaine de milliards d'années. Ça passe très vite, et tu vas au paradis ou là en enfer. Donc, barakallahu fikoum, ne dites pas, il est parti à sa dernière demeure. Dites qu'il est parti dans sa tombe, qu'il doit délaisser et partir. Naam. Ensuite, naam, je disais que tellement il sera content qu'il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de faire venir le jour du jugement dernier pour yani, qu'il rencontre ses parents et aussi c'est bien. C'est pour ça que dans un autre hadith, après que cet homme au beau visage, etc., parle avec celui qui est mort, qu'est-ce qu'il va dire dans un autre hadith? Il va dire, alors cet homme lui dira quoi? Il lui dira, dors alors comme le nouveau marié. Dors alors, nam noumet l'arous. Pardon, c'est pas l'homme qui lui dira, c'est les anges qui l'ont questionné. Ils lui disent, nam noumet l'arous, dors comme dort le nouveau marié. Alors le hadith, il a dit, il dormira d'un sommeil dont il n'aimerait être réveillé que par sa bien-aimée.
quand il n'aimerait être réveillé que par sa bien-aimée. Comme ça, c'est dans le hadith où on lui dira de dormir comme dort yani quelqu'un qui vient d'être récemment marié. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours dans ce hadith, maintenant je vais aller un peu vite pour que le temps suffise, bi idhna azza wa jal, il a dit, afwan, طيب نشوف أين توقفت. نعم لحظة. طيب وصلكم هذا. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit وإن العبد الكافر إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا. Et le serviteur العبد كافر mécréant lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde وإقبال من الآخرة et de passer dans l'autre. نعم نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. Des anges vont descendre du ciel au visage noirci. نعم. معهم الموسوح. Et qu'est-ce qu'ils font venir aussi avec eux? De la bure. الموسوح. C'est de la bure. نعم. Ils s'asseyent avec lui. فيجلسون منه مد البصر. Ils vont s'asseoir et sont tellement nombreux qu'ils seront jusqu'où porte son regard. Ensuite, Malik al-Mawt, l'ange de la mort, va venir et va s'asseoir auprès de sa tête. Fayaqul, ayyatuha an-nafs al-khabitha. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh âme répugnante, ayyatuha an-nafs al-khabitha. Le contraire de purifier. Celui-là, il n'a pas purifié son âme. Oh âme répugnante. اخرجي الى سخط من الله وغضب. Sors vers la colère et le mécontentement d'Allah. Sors vers la colère qui t'attend et le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'attend. قال فتفرق في جسده. Alors l'âme, bien sûr, quand elle entendra cette phrase, qu'est-ce qu'elle fera? Elle se répandra partout dans son corps. Elle était là dans le gosier, prête à sortir. Maintenant, de peur, elle va revenir, yani marche arrière. Elle va se répandre dans tout son corps, dans les doigts, dans les orteils, dans partout. Elle va se répandre. Nam. Il a dit, فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السُّفُودِ مِنَ الصَّوْفِ الْمَبْلُودِ. Alors, elle ne peut rien faire, bien sûr. C'est Malik al-Mawt qui est ici. Il a un ordre de la faire sortir à une seconde près. Ce n'est pas la peine qu'elle essaie de se sauver, ou là, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors, il l'arrachera comme on arrache une broche de laine trempée. On arrache une broche de la laine qui est trempée. Ensuite, il a dit, فَيَأْخُذُهَا. Il va la saisir. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَجْعَلُهَا فِي تِلْكَ الْمُوسُوحِ. Maintenant, dès que Malik al-Mawt fait sortir son âme, bien sûr, très 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 difficilement, dès qu'il l'a prise, les anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Naam. Ils vont la prendre vite de sa main. Naam. حتى يجعلها في تلك المسوح. Pour la mettre ou dans le linceul, avec le linceul de l'enfer et la bure. Ils sont venus avec un linceul de l'enfer et avec la bure de l'enfer. Ensuite il a dit, ويخرج منها, quand ils la mettent dans la bure, qui a une très très mauvaise odeur bien sûr, يخرج منها كأنت الريح جيفة وجد على وجه الأرض. Dès qu'ils la mettent dans la bure, alors émane d'elle une pure puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Imaginez un cadavre quand on le laisse et il commence qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Une odeur très très forte. Ça s'appelle la pestilence. On peut le sentir des fois à des centaines de mètres, on sent qu'il y a un cadavre jeté quelque part. Naam. C'est comme ça qu'ils vont sentir cette odeur. Il a dit فَيَسْعَدُونَ بِهَا. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils montent alors en l'emportant vers le premier ciel. فَلَيَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنْ مَلَئِكَ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ. Et ils ne passent pas en sa compagnie bien sûr, auprès d'aucun groupe d'anges, sans que ceux-ci ne disent quelle est donc cette âme répugnante. Quelle est donc cette odeur, c'est qui cette âme? Ils répondent alors, فَيَقُولُونَ فُولَانِ ابْنُ فُولَانِ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا.
Ils vont dire, c'est l'âme de un tel, fils d'un tel, et ils la nomment en citant les plus mauvais prénoms par lesquels on le désignait dans ce monde. Ensuite, il a dit, ils vont demander au premier ciel, quand ils arrivent vers nous, pour ils veulent rentrer au premier ciel. Ils demandent pour qu'il rentre, ils demandent la permission d'entrer. Celle-ci est refusée. Ensuite, le prophète Islam a dit, لا تفتح لهم أبواب السماء. Un verset qui dit, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Le prophète Islam a dit, الله تعالى a dit, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين. الأعراف 40. Ça veut dire en français, ça donne pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, ça veut dire ils ont mécru et qui s'en écartent par orgueil, takabbur, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils ne rentreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. L'aiguille, elle a un petit trou par lequel on fait rentrer le fil. Si un chameau peut rentrer par ce trou, le kafir rentrera au paradis. Regardez, yani, ta'jiz, pour montrer Allah Ta'ala, pour montrer l'impossibilité. Il dit, l'Azul dit, non seulement le kafir ne rentre pas au paradis, s'il dit le kafir ne rentre pas au paradis, yani, peut-être certains disent, peut-être un va rentrer, peut-être un jour ils vont rentrer. Allah Ta'ala a dit, ils ne rentreront au paradis que si un chameau peut passer par le trou de l'aiguille. Prenez une aiguille entre vos deux doigts et essayez de passer un chameau. Le chameau, si vous l'avez vu devant vous, il fait peut-être 2 mètres et quelques de hauteur. Celui-là, et je ne sais pas combien il fait de kilos, c'est plus qu'un tank. Vous connaissez le tank, c'est plus qu'un tank. Essayez de le faire rentrer par le trou de l'aiguille si c'est possible. La même chose, si le chameau rentrera, le kafir rentrera au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est impossible. Ensuite, il a dit, quand ils arrivent donc là-bas et qu'ils ne peuvent pas rentrer, que va dire là-bas, ils vont entendre que Allah subhanahu wa ta'ala va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Alors là, je le dira, consignez son livre dans le Sijjin. Comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, qu'Allah, inna kitab al-fujjar, la fi madha. لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. Donc l'Azza wa Jalla va dire, mettez son livre dans quoi? Dans Sijjin. Et Sijjin, c'est yani, sous, comme a dit Cheikh Saadi et beaucoup de Mufsirin, ils ont dit, c'est sous le septième, la septième terre. Naam. C'est sous la septième terre. C'est quelque chose qui se trouve sous la septième terre. Allah Ta'ala dira, mettez-lui son livre là-bas. Mettez-lui son livre là-bas. Naam. Ensuite, il a dit, فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا. Et ça, son âme, donc, qu'est-ce qui se passe? Va être jetée du haut du ciel. Naam. C'est pas comme le croyant. On va la descendre jusqu'à la mettre dans la tombe. Celui-là, dès que les anges ont su que Allah Azza wa Jal est courroucé de celui-là, ils n'aiment pas cette personne, classe. Il est radban alayha, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en désengager. Ils vont se désengager de cette personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la jeter du haut. La hawla wa la quwwata, du haut. Naam. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Comme a dit Allah Azza wa Jal, wa man yushrik billah faka'annama kharra min as-sama' fatakhta. تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحق. الحج 31. C'est-à-dire, quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Naam. Pourquoi? Parce qu'on va le jeter d'en haut, on va le jeter du ciel. Naam. Très, 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 très difficile. Il a dit, فَتُعَادُ رُحُهُ فِي جَسَدِهِ. Alors,
son âme sera remise dans son corps. Ensuite, deux anges vont le faire asseoir et lui demanderont: Man Rabbuka, quel est ton Seigneur? Fayakul, ha ha, la adri. Il dira: Ah ah, je ne sais pas. Regardez, ah ah ah, il n'y a pas de réponse. Ah ah ah, il n'y a rien, rien ne sort. Ensuite, il dit: Je ne sais pas. Ils vont lui dire: Ma dinuka, quelle est ta religion? Il va dire: Ha ha, la adri. Ah ah ah, je ne sais pas. Fayakulani lao, ma hada rajul ladhi bu'itha fikum. Qui est l'envoyé qui a été envoyé vers vous? C'est qui? Quel prophète a été envoyé en ton temps? Il va dire: Ha ha, la adri. Ah ah ah, je ne sais pas. Fayunadi munadi min sama. Alors un appel est lancé du ciel. Allah Azza wa Jalla dira: Kadaba abdi. Il a menti. Abdi a menti. Il a menti. Fa'afrishuhu min an-nar. Fa'afrishuhu min an-nar. Tapissez donc l'enfer pour lui. Nan. Tapissez l'enfer pour lui. Il a commencé à lui tapisser la tombe en enfer. Nan. Waftahu lahu baban ila an-nar. Et ouvrez-lui aussi une porte vers le feu, vers l'enfer. Il a dit, alors, يَأْتِهَا مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا. Alors lui parviennent les effets de sa chaleur et de son vent brûlant. وَيَدِيقُ عَلِهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَدْلَعُهُ. Non. Ensuite, sa tombe va se rétrécir sur lui au point où ses côtes vont se retrouver emboîtées. Non, les unes dans les autres. وَيَأْتِهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ. Et un homme au visage laid. Naam. Qabihu thiyab. Mal vêtu. Muntin rih. Puant. Très mauvaise odeur. Viendra auprès de lui. Fayaqul. Abshir billadhi yasu'uk. Il va lui dire: Accepte la nouvelle qui va te déplaire. Abshir. Hada yawmuka allati kunta tu'ad. Naam. Voilà le jour qui t'avait été promis. Il dira alors le mort: Man anta. Fawujhuka allati yaji'u bishar. Qui es-tu? Dis-moi. Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. Je suis la matérialisation de tes œuvres malsaines, tes mauvaises œuvres. Hein? La médisance, le kof, la zina, tout ça, la drogue. Maintenant, c'est moi qui, là, je m'a transformé en forme humaine pour que je sois avec toi ici. Naam. Fayaqul. Rabbi, la tuqim sa. Alors, que dira cette personne? Oh mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. Ne fais pas survenir l'heure. Yani, il ne veut pas qu'il y ait le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que s'il y a ceci dans la tombe, alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'au-delà? Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana min adab al-qabr. Voilà qu'est-ce qu'il y a dans la tombe. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Et qu'il raffermisse nos cœurs pour que on le rencontre, inshallah ta'ala, et que on ne voit que les délices dans la tombe. Et pour qu'il n'y ait pas de châtiment bi'idnillah azza wa jil dans la tombe et on ne voit que ces délices. Amin, amin, ya rabbil alamin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-ayna la tula'u bil-rajuli bi'idnillah ta'ala hatta yis'ada haliqan thumma yataradda minh. Dans le hadith 1681, le prophète alayhi salam a dit, Naam, une seconde. Naam, une seconde. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le mauvais œil a de l'influence sur la personne, et il s'accroche sur la personne, par la permission d'Allah bien sûr, jusqu'à ce que la personne monte une montagne très haute et qu'elle tombe. Yani, c'est pas, il ne descend pas, mais qu'elle tombe d'en haut. Subhanallah al-Azim. C'est dire quoi? C'est parler de le. C'est dire que le mauvais œil, comment qu'il peut bi'idnillah ta'ala influer. Il peut influer sur une personne au point que il monte une montagne, ensuite il tombe d'en haut. Il tombe d'en haut. Non. Là, le mauvais œil vient quand on a le cœur. Le cœur, yani, il contient de une chaleur comme ça, une chaleur du shaitan. Hein, du shaitan. Et ce qu'il y a dans le cœur, yani, va monter aux yeux. Et quand il monte aux yeux,
y a une vague comme ça qu'on ne voit pas, nous, quelque chose qui sort des yeux et qui va directement à cette personne, yani, et elle va yani, influer sur cette personne. Alors le prophète alayhi sallam a dit, l'aïnu haq, il a dit, le mauvais œil, c'est une vérité. Attention les gens qui ne croient pas au mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une vérité. Et le prophète sallallahu alayhi sallam a dit, le mauvais œil, inna l'aïna, فتدخل الرجل فتدخل الرجل القبر والجمل القدر. Le mauvais œil peut tuer, peut faire rentrer quelqu'un dans la tombe. Il peut faire rentrer le chameau dans la marmite. Ça veut dire, il peut être, yani, tombé malade au point de mourir. Ensuite, on l'égorge, on le fait cuire, on le met dans la marmite. Et il a dit, une personne peut mourir à cause du mauvais œil. Pire que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن أكثر ما يموت من أمتي بالعين بالأنفس avec le mauvais œil. Il a dit la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Subhanallah al-Azim. La plupart, c'est pas quelques-uns, la plupart de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt avec le mauvais œil. Bien sûr, nous on sait pas que les mauvais, c'est un mauvais œil, on dit c'est une maladie, on dit que il est tombé, on dit qu'il a fait un accident, on dit que il est tombé du cinquième étage, mais on ne sait pas, on ne fait pas la relation que c'est le mauvais œil. Non, parce que c'est des choses qui ne se voient pas. Mais on croit, comme a dit le prophète, que c'est à cause du mauvais œil. Et je vous ai dit que le mauvais œil, yani, pour guérir du mauvais œil, si on connaît la personne, on lui demande de nous donner, yani, on lui demande de faire des ablutions lourdes, et elle nous donne son eau. Si on se jette cette eau sur nous-mêmes, on guérira à l'instant bi'idna azzawajal. Si on se jette l'eau de celui qui nous a frappé avec le mauvais œil. On se jette son eau. Après qu'il fasse les ablutions, on prend son eau, on se jette cette eau bi'idna azzawajal, on guérit. Et les versets dans le Coran qui parlent du mauvais œil, comme a dit Ya'qub alayhi salam, il a dit Ya baniya la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mufarriqa. Oh mes enfants, ne rentrez pas par une seule porte. Il avait 11 enfants. Ne rentrez pas, 11 garçons. Ne rentrez pas d'une seule porte. C'est-à-dire, vous risquez le mauvais œil. Mais rentrez par des portes différentes. Ou bien, yani, rentrez d'abord deux personnes, attendez un peu, ensuite d'autres personnes rentrent, attendez un peu, ensuite comme ça. Il ne faut pas rentrer 11 à la fois. Yani, ils risquent vraiment le mauvais œil. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils disent, Masha'Allah, ils disent, c'est une équipe de football. Celui-là, il a une équipe de football, ils sont 11. Celui-là, il a 11. Il y a des gens qui n'ont même pas un garçon, ni un enfant. Celui-là a 11 garçons, hein. C'est une équipe de football. Et yani, il risque de le frapper, ou de frapper ses enfants jusqu'à ce qu'il leur a, s'il ne meurt pas, il leur arrive beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je n'oublierai pas de dire ici que ce qui est grave aussi, c'est quoi ? C'est que on peut nous-mêmes se frapper du mauvais œil. Naam. Quelqu'un va se voir dans une glace, au lieu de dire, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma kama hassant khuluqi, fa hassin khalqi, ou hassin khalqi, kama hassant khuluqi, oh Allah, comme tu m'as donné un beau physique, donne-moi un beau caractère, ou un beau comportement. Non, quelqu'un va se voir dans une glace, surtout si c'est une femme. Elle va se dire, oh, je suis la plus belle. Oh, il n'y a pas une femme belle comme moi. Il n'y a pas ceci, je suis cela. Et elle va se frapper avec le mauvais œil, elle ne sait pas. C'est comme celui qui est rentré. Il est rentré où? Il est rentré dans son jardin. Qu'est-ce qu'il a dit? La Azzawajal lui a dit, Laoula, id dakhalta jannataka, qulta ma sha Allah, la quwata illa billah. Parce que tout a été brûlé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si lorsque tu es rentré dans ton jardin, tu avais dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah, il ne serait pas arrivé cette chose. Tu vois, tu es rentré dans ton jardin, si tu as dit, j'ai le meilleur jardin ici, dans cette ville ou là, dans ce pays. Hein, j'ai les plus beaux arbres, j'ai ceci, et tu ne dis pas, Masha'Allah, la quwwata illa billah. En toi, tu vas te frapper avec un mauvais œil. Alors laisse les gens qui vont voir ce jardin. Toi déjà, toi tu vas le frapper toi-même. Quelqu'un qui a une belle voiture, il ne dit pas, Masha'Allah, la quwwata illa billah.
oh, moi j'ai la plus belle voiture, toute option, j'ai la toute option, la dernière. Et il se frappe d'un mauvais œil. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1687. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1187. Inna alladhi amshahum ala arjulihim fi dunya qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim yawm al-qiyamah. Naam. C'est-à-dire, le prophète a dit, celui qui les a fait marcher sur les pieds dans cette vie est capable de les faire marcher sur le visage le jour du jugement dernier. Om Hamza a dit, salam alaykum. Non, c'est une question. Om Hamza, inshallah, après je te répondrai. Dans les questions, inshallah ta'ala. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait aux gens, il leur parlait comment les gens allaient venir le jour du jugement dernier. Hein? Il a dit que ils viendraient en marchant sur le visage. Ça les a étonnés. Ça les a étonnés. Il y a déjà même un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa nahshuruhum yawm al-qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Allah ta'ala a dit dans le Coran, et nous les rassemblerons le jour de la résurrection. Comment qu'on va les rassembler? Traîner sur leur visage. Subhanallah, sur leur visage. Ils marcheront avec leur visage. Naam. Aveugles, muets et sourds. Et l'enfer sera leur demeure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a lu ce verset, ou bien il l'a expliqué, ça les a étonnés. Ils ont dit, subhanallah, comment quelqu'un peut-il marcher sur son visage? Pour marcher, il faut des pieds. Comment? Je ne peux pas comprendre ça. Ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith. Il a dit, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans cette vie, est capable de les faire marcher sur leur visage le jour du jugement dernier. Naam. Tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, sa puissance, c'est comme notre puissance? Allah ta'ala a une puissance, yani, qui n'a pas de fin. Il peut te faire marcher sur les pieds, il peut te faire marcher sur la tête, il peut te faire marcher avec la main au lieu des pieds. Tu mets ta main et tu commences à marcher s'il veut. Non, c'est pas étonnant à dire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit 1691, Inna alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Inna alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui pratique la sodomie avec sa femme, Allah ne le regarde pas le jour du jugement dernier. Naam. Inna alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas une personne le jour du jugement dernier. C'est vraiment grave. Imagine. Yani, tu es là pour être jugé, et là, je ne veux pas te regarder. Yani, là, je ne vais pas te juger, toi, je ne te regarde même pas. Vraiment difficile pour celui qui pratique la sodomie avec sa femme. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la sodomie, c'est-à-dire qu'il fait avec elle le rapport, mais il ne fait pas dans la partie où la femme a un enfant, mais il le fait dans l'autre côté, c'est-à-dire par derrière. Celui-là, Allah Azza wa Jalla ne le regarde pas le jour du jugement dernier. Et dans un autre hadith, il a dit mal'oun من أتى امرأة في دبورها إمودي celui qui fait avec sa femme par derrière. Il a dit il est maudit. Et dans un autre hadith il a dit celui qui fait avec sa femme quand elle a les règles ou bien par derrière, celui-là فقد كفر بما أنزل على محمد. Celui-là il a mécru de ce que Allah Ta'ala a fait descendre sur le prophète. Il n'a pas cru. Non. Celui-là il a mécru. C'est un kafir, petit kafir, c'est pas le grand coffre. Il a fait le petit coffre celui-là. Mais c'est quelque chose de très 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 grave. Naam. Faire cela, que ce soit homme avec homme ou là, homme avec sa femme, ça c'est vraiment très grave. Celui qui a fait ça, il doit faire la tawba très vite. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et de ne jamais accepter de faire cela. Quant à la femme, si son mari la force à faire cela, c'est l'une des raisons les plus valables de demander la séparation. C'est l'une des raisons les plus valables pour qu'elle aille chez ses parents
et qu'elle ne revienne plus vers lui. Il demande la séparation définitive, sauf s'il fait le repentir et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, et il demande aussi à la femme de le pardonner. Si la femme accepte et fait avec lui ces choses, Allah ta'ala, le jour du jugement dernier, il ne va pas la regarder. Il ne va pas la regarder. Allah al-Musta'an, c'est quelque chose de très très difficile, que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas une personne. Non. Et il a dit mal'oun, 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 yani éloigné de la rahma d'Allah, éloigné, il est maudit, maudit, la personne est maudite qui fait cette chose. Je profiterai pour dire que ce qui est illicite et ce qui n'est pas permis, comme je viens de dire, c'est de faire dans l'endroit où ça ne donne pas l'enfant. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Nisa'ukum harfun lakum. Allah Ta'ala, vos femmes sont des champs pour vous. Labourez vos champs quand vous voulez. Donc, labourez vos champs. Toi, quand tu laboures le champ, pourquoi il appelait le champ? Car le champ, tu mets un grain, ensuite tu ajoutes de l'eau, ça donne une plante. La même chose avec la femme. Tu mets ton eau à l'intérieur et ça donne bidna ta'ala un bébé. Donc, Allah Azzawajal l'a appelé champ. Il a dit, vos femmes, les femmes sont beaux champs. Pourquoi il appelait champ? Parce qu'il voulait dire que il faut avoir le rapport avec elles du côté où elles donnent. Elles donnent un bébé comme le champ donne des plantes. Ça veut dire c'est interdit d'un autre côté. Seulement du côté où ça donne quelque chose, ça donne le bébé. Non, il ne faut faire le rapport que du côté où ça donne le bébé. Là, j'oublierai pas de dire que si quelqu'un vient en faisant le rapport avec sa femme, il vient par derrière, mais il fait le rapport par devant. Ça, c'est permis en islam. C'est pas interdit. Au contraire, les juifs ont dit, si quelqu'un vient en voulant faire le rapport, il se met derrière sa femme et il fait le rapport par devant. Ils ont dit, s'ils ont un bébé, il va être borgne. Allah Ta'ala les a démentis. Il a dit, ce sont des menteurs. Il a fait descendre le verset Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum. Vos femmes sont des champs de labour pour vous, labourez comme vous voulez. Ça veut dire, si tu es sûr que ton membre sera dans la partie où la femme accouche, si tu es sûr, fais la position que tu veux. Comme ça veut dire là dans le Coran, choisis la position que tu veux, tu es libre en cela. Personne ne te dit de venir par devant. Tu peux être par derrière, mais à condition que ton membre ne soit que dans la partie où la femme accouche. Inch'Allah Ta'ala que c'est compris. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1692, c'est un hadith sahih, il a dit, إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي celui qui mange ou boit dans un vase d'argent ou d'or ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'enfer. Quand on dit un vase, on dit aussi un récipient. Celui qui mange ou boit dans un récipient d'argent ou d'or, celui-là, c'est comme s'il avalait dans son ventre le feu de l'enfer. Ça veut dire, donc tu es libre. Tu veux boire ou manger dans un récipient, une assiette ou là une cuillère en or ou là en argent, c'est deux. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'avaler Jahannam dans quoi? Dans ton ventre. Non, c'est toi le grand perdant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger ou boire dans un récipient en or ou bien en argent, c'est un grand péché. Non, quel est le délit? C'est un grand péché à cause de Jahannam. À chaque fois que c'est cité quelque chose et on dit, si quelqu'un l'a fait, il a Jahannam, ou là il va aller au Jahannam, ou là il est maudit, ou là couper lui la main, ou là fait lui ceci, ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Ici, donc, boire ou bien manger dans un récipient en or ou là en argent, ou là une cuillère en or ou là en argent, c'est faire un grand péché. Et tu risques aussi autre chose, c'est quoi? Tu risques que le jour du jugement dernier dans le paradis, qu'on ne te donne pas ces choses-là. Car ces choses-là nous sont cachées pour le jour où on rentrera au paradis. Non, le jour où tu vas rentrer au paradis, même les hommes s'ils ne savent pas, je vais leur dire, même les hommes s'ils ne savent pas, ils seront pleins de parures,
même l'homme, il sera plein de parures, hein, plein d'or et plein d'argent, les chaînes d'or et les chaînes d'argent, les bracelets d'or et les bracelets d'argent, non seulement les femmes mais aussi les hommes. Et tu manges dans des récipients en or, des récipients en argent. Mais si tu as mangé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire istajalt, ça veut dire yani, tu t'es pressé, tu as pris ta part ici. Alors il est possible que tu ne prennes pas ta part là-bas. C'est comme celui qui boit l'alcool. Le prophète Islam a dit, quiconque boit l'alcool et il meurt, ça veut dire qu'il ne fait pas la touba, il a dit même s'il va rentrer au paradis, il ne boira pas de son alcool. Non. Quelqu'un qui a bu de l'alcool ici, il n'a pas fait le repentir. C'est un musulman, hein? C'est un musulman parce qu'il a dit, je sais que l'alcool est haram. Je le bois, mais c'est haram, je sais. Donc il l'a bu, il n'a pas fait la touba. Même demain, quand il va mourir, il aura tout au paradis sauf l'alcool. Naam, va te dire la ta'ala, tout ce qu'il y a au paradis, sauf ça, tu n'as pas. Tous les autres, ils ont l'alcool et toi, tu n'as pas. Tu vas te priver de quelque chose de, yani, masha'Allah, le vin du paradis. Masha'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 1699, il a dit, Inna Allah ihtajara tawbah ala kulli sahibi bid'ah. Allah a caché le repentir pour toute personne qui innove. Naam, Allah Ta'ala a caché le repentir pour toute personne qui innove. Ihtajara, c'est refusé. Allah Ta'ala a refusé le repentir et le refuse pour toute personne qui innove. Dans un autre hadith, il a dit, Inna Allah hajaba, Allah Ta'ala a voilé le repentir. Il a fait entre l'innovateur et entre Allah, il a laissé un voile. Allah Ta'ala hajaba at-tawba an kulli sahib bid'ah hatta yada'a bid'atahu, jusqu'à ce qu'il se délaisse de son innovation. Pourquoi? Pour dire que l'innovation, c'est vraiment quelque chose de grave. Non, l'innovation, c'est vraiment quelque chose de grave. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses que tu as inventées de ta tête. Non, c'est pour ça que c'est grave. Am shara'u lahum min dini man lam ya'dhim bihi Allah. Yani, tu prends des choses, tu dis, c'est Allah ta'ala qui nous a dit de faire ces choses. Non, c'est vraiment haram, c'est vraiment grave. Mais celui qui se trompe, c'est tout. Et il ne fait pas d'innovation, il se trompe, il a bu de l'alcool, ou là il a volé, ou là il a menti, ou là. Celui-là, c'est pas grave par rapport à l'innovateur. Pourquoi? Parce que l'innovateur, il fait ça en croyant que Allah aime cette chose. Et il fait ça en croyant que Allah est ravi de lui. Alors que celui qui fait le haram ou là, il sait que c'est haram. Voilà la différence. Il sait que c'est haram. Il sait. Voilà la différence. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écris le prochain hadith si tu l'as, faqir Allah, écris le prochain hadith pour que je vois si je me suis arrêté ici ou bien je t'ai donné un autre. Naam, طيب, je ne sais pas combien je t'ai donné de hadith. طيب, je vais ajouter ce hadith, je vais m'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah ta'ala ida ahabba abdan da'a Jibril. Le prophète a dit, 1705, il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Jibril. Il appelle Jibril. Il lui dit, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Il appelle Jibril, lui dit, j'aime un tel, aime-le donc à ton tour. Fa yuhibbuhu Jibril. Alors Jibril va l'aimer. ثم ينادي في السماء. Ensuite, الله عز وجل appelle aux habitants du ciel, il dit, إن الله يحب فلان فأحبه. Allah سبحانه وتعالى aime cette personne. Aimez-la donc vous aussi. فيحبه السماء. Et ceux du ciel vont l'aimer. ثم يوضع له القبول في الأرض. Et Allah سبحانه وتعالى va lui mettre, يعني, cet amour en bas, yani chez les gens. Il devient ainsi aimé par les gens du ciel et on lui fait descendre cet amour sur terre. Wa idha abghadha 'abdan, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il déteste quelqu'un,
دعا جبريل إلى فل جبريل يقول إني أبغض فلانا فأبغضه. Il lui dit je déteste un tel, déteste-le toi aussi. ثم ينادي في أهل السماء. Ensuite il crie aux habitants du ciel. الله تعالى إن الله يبغض فلانا فأبغضه. الله سبحانه وتعالى déteste X. Détestez-le, détestez-le vous aussi. ثم يوضع له البغضاء في الأرض. Ensuite الله سبحانه وتعالى va descendre sa haine, va descendre sa haine sur la terre. C'est pour ça que Allah a dit dans le Coran, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. C'est-à-dire ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla leur accordera son amour. نعم. Quand quelqu'un, Allah Azza wa Jalla l'aime, il demande à Jibril de l'aimer, et Jibril demande aux anges de l'aimer. Ensuite, on fait descendre son amour en bas. Ensuite, tous les pieux, etc., aiment cette personne. Allah. Quand tu vois, on te dit, yani, je ne te connais pas, mais mashallah, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. On t'aime pour ta piété, justement. On t'aime pour ta piété. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala déteste quelqu'un, c'est la même chose. Naam. C'est comme c'est écrit ici. Je vois la traduction sur le salon. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala déteste quelqu'un, c'est la même chose. Il dit à Jibril, je hais Fulan, je le déteste. Déteste-le. Et Jibril va le haïr, va haïr cette personne. Ensuite, Jibril va dire aux autres anges, Allah Ta'ala est et n'aime pas cette personne. Il faut aussi que vous la haïssiez, vous la détestiez. Et tous les autres anges vont détester cette personne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Allah Subhanahu wa Ta'ala va lui descendre aussi sa haine dans le cœur des gens. Ici, les gens vont voir cette personne, ils vont dire, Subhanallah, cette personne, je ne l'aime pas. Cette personne, je ne l'aime pas. De nature, comme ça. Quoi? Parce que cette personne, bien sûr, parce qu'elle n'est pas pieuse, on ne peut pas yani, l'aimer. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait descendre sa haine en bas? Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va terminer. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Pour les frères, vous envoyez vos questions à Faqir Allah. Et vous envoyez aussi à Ilyas Abu Anas. Et pour les sœurs, vous envoyez aux deux ou trois sœurs qui n'ont pas de points rouges, inshallah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, j'étais déconnecté. Tafadhal, inshallah, on commence par la première question. Ensuite, inshallah ta'ala, s'il y a du temps, on donne à ceux qui lèvent la main. Tafadhal, inshallah. نعم 27 بارك الله فيك 27 اي بسم الله خير. نعم كون ان شاء الله استكي بوزي لا بروميير كيسيون. اسكو لي شيعي سون مسلمون واسكو سولا فو دير كو لور في اي ساكري دون سو كان. Que se passera-t-il au mouvement sunnite qui les tue? Allahu a'lam. Pardon pour cette question. Comme Sakina, ça n'a rien à voir avec le Dars. La question elle. Est-ce que c'est notre bouche qui va parler avec... Non. Trois questions seront posées. Est-ce que c'est notre bouche qui va parler avec notre raison ou bien l'intérieur de notre cœur? Moi, Yachir, c'est pas celle-là, je me suis trompé. Ça y est. En ce qui concerne quand on est dans la tombe, Allah Azza wa Jalla va parler, les anges vont nous questionner et nous on va répondre avec notre bouche, avec notre bouche, mais c'est pas nous qui répondons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui referme ton cœur pour que tu répondes. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui raffermit nos cœurs pour que on puisse bien répondre ou bien qu'il fasse le contraire, il ne nous raffermit pas et alors personne ne pourra répondre. Donc la bonne réponse et la mauvaise, c'est d'après est-ce que Allah Azza wa Jalla t'aide et te raffermit ou bien non. S'il t'aide et te raffermit, tu répondras comme on dit dans le verset. S'il t'aide pas, il t'égare, tu diras je sais pas, j'ai entendu les gens dire, et on ne peut pas répondre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il raffermisse notre cœur,
pour que notre langue yani, parle yani, la bonne chose, la bonne parole et la belle parole. Naam. Fadda, deuxième question, inshallah. Salam alaikum. Si on ne connaît pas la personne qui nous a frappé du mauvais œil, comment faire pour se protéger de façon permanente? Naam. La prévention est mieux que la guérison. Hein? L'wiqaya afdal min l'ilaj. Ça veut dire que à chaque fois qu'on achète une belle chose, etc., on fait les du'as sur cette chose. Et on lit beaucoup qu'ul a'udhu bi rabbil falaq, qu'ul a'udhu bi rabbin nas. On demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. On dit ayat al-kursi. Et à chaque fois que la chose est belle, etc., on dit masha'Allah, la quwwata illa billah. Et comme ça, pour se prévenir à l'avance. Et ce n'est pas attendre jusqu'à ce qu'on tombe malade, etc. Ensuite, on commence à chercher le remède. C'est pour ça que pour le prévenir vaut mieux que guérir. Là, je ne sais pas comment on dit. Non. C'est pour ça que si on connaît cette personne, on lui demande de faire le wudu bidna ta'ala. Le prophète Ali Sassam a dit d'estourstiltum farsilo. C'est-à-dire, si quelqu'un vous demande de faire, vous devez faire. C'est un ordre. Si quelqu'un te demande de faire les ablutions, pour lui, tu dois les faire. Même si tu crois que tu n'as pas le mauvais œil, tu dois les faire. Alors le prophète Hassan a dit, si quelqu'un vous demande de vous laver, vous lavez pour lui. Si quelqu'un maintenant ne sait pas de qui c'est venu, il fait beaucoup de doigts. Il fait la ruqya, il fait une ruqya, il fait beaucoup de doigts pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui le mauvais œil, inshallah ta'ala. Fadal, inshallah, prochaine question. Vous avez dit que celui qui boit de l'alcool sur terre, il meurt sans repentir. Lorsqu'il rentrera à Jannah, il ne pourra pas boire le vin du paradis. Mais pourtant, on sait que dans le paradis, il croyant pourra avoir tout ce qu'il désire, alors qu'on prend cette justice. Non. Mais pourtant, on sait que dans le paradis, le croyant pourra avoir tout ce qu'il désire. Alors, comment comprendre cette restriction? De même, est-ce vrai que la personne qui a écouté de la musique et qui s'est repentie rentrera quand même, puis Jannah sourde? On commence par la deuxième. Il y a deux questions. On commence par la deuxième. Ce n'est pas vrai que quelqu'un qui a entendu de la musique ici, que après le repentir, il rentrera au Jannah, à la Jannah, il rentrera sourd. C'est impossible. Pourquoi? Parce que chaque personne qui fait le repentir, Allah Ta'ala lui pardonne. Comment quelqu'un rentrera-t-il au paradis sourd? Il n'entendra pas ses enfants, ni sa famille, ni sa femme, ni il n'entendra ni les oiseaux, ni rien. À quoi ça sert d'être au paradis? Jamais. Elle dit premièrement. Deuxièmement, quand quelqu'un se repentit, Allah Azza wa Jal lui annule, si son repentir est sincère, il lui annule. Donc, au paradis, il n'y a jamais de sourd, ni d'aveugle, ni de malade, ni quelqu'un qui a la tête qui tourne, ni quelqu'un qui vomit, ni quelqu'un qui va aux toilettes. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas dans le paradis. Premièrement. Deuxièmement, pour la première question, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Quand quelqu'un a bu ici de l'alcool, il n'a pas fait le repentir, quand il rentrera dans son paradis, il ne trouvera pas l'alcool. C'est tout. Il ne trouvera pas l'alcool et il vivra comme ça sans que jamais ça lui passe par la tête qu'il cherche de l'alcool. Non, il vivra comme ça, Allah Azza wa Jalla fera de son cœur qu'il ne fasse même pas attention qu'il n'a pas d'alcool. Car, s'il n'aura pas d'alcool et il va faire attention, ça veut dire que même dans le paradis, il va avoir des soucis. Il va se dire, comment? Tout le monde a l'alcool, moi j'ai pas. Il va faire des chagrins, il va peut-être même pleurer. Donc, pour qu'il n'y ait pas tout cela, Allah Azza wa Jal, d'emblée, ne lui donne pas l'alcool. Et il sera très heureux et il ne sait pas qu'il a l'alcool. Il ne sait pas qu'il n'a pas l'alcool et que les autres ont l'alcool. Il sera très heureux et Allah Ta'ala lui fera oublier ça. Mais il ne lui donnera pas l'alcool parce qu'il l'a averti ici. Il l'a averti par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit que si tu la boiras ici, tu ne l'auras pas dans l'au-delà. Choisis. Parce qu'il a dit, je la veux maintenant, pas dans l'au-delà. Alors il ne l'aura pas dans l'au-delà. Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Bi'inna'a zawajin. Fadal, avant que je réponde à la troisième personne, ou la troisième question, est-ce que cette personne se reconnaît? Est-ce que cette personne
se reconnaît. Cheikh, je me permets de vous écrire pour vous soumettre le cas d'une amie à moi. Alhamdoulilah, Allah l'a guidée et lui a ouvert le cœur. Depuis quelques semaines, elle porte le djilbab et essaye de pratiquer l'islam à l'minhaj sahih, masha'Allah. Malheureusement, son mari ne la suit pas trop. Il fait salat, il connaît des choses sur l'islam, lui interdit pas de porter le djilbab, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'accepte pas encore. Par exemple, ma sœur vient d'apprendre que les photos sont interdites, mais dans la chambre des enfants, il y a du papier peint avec des représentations nounours, etc. Si cette sœur est là, elle me fait peur pour que je lui réponde. Sinon, c'est pas la peine de répondre à quelqu'un qui est absent. Yachir, j'aimerais savoir si les gens du paradis qui sont rentrés en enfer, puis sortis, se souviendront de leur péché. Barakallahu fikoum. Les gens qui sortiront du paradis, pardon, de l'enfer, pour aller au paradis, ces gens rentreront au paradis avec quelque chose écrit ici sur le front, Jahannamiyoun. Jahannamiyoun, ça veut dire qu'ils étaient à Jahannam. Ensuite, eux, ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, yani, on sent un complexe ou là, que, yani, tout le monde sait qu'on était à Jahannam. Ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de leur enlever l'étiquette où il y a qu'ils sont de Jahannam. Et Allah Azza wa Jal va leur enlever cette étiquette et yani, se rend compte pour les autres. Je ne sais pas exactement si c'est avant d'entrer, il va leur enlever, ou là quand ils vont rentrer au paradis. Mouhim. Deuxièmement, quelqu'un qui est dans le paradis, ne se souvient pas des choses qui font mal. Si le fait de se souvenir de ce qui s'est passé, ça fait mal, il ne peut pas s'en souvenir. Pourquoi? Parce que si ça fait mal, le paradis, il n'y a pas le mal dans le paradis. Il n'y a que la gaieté, la jouissance, la joie. Il y a tout ce qui est, peut-être qu'on s'entend, peut-être qu'en réfléchissant aux choses qui ne sont pas bien, peut-être que yani, ça va lui donner des soucis, ou là il va avoir le cœur gros là. À moins que, s'il se rappelle dans le sens de dire Alhamdoulilah, regarde, Yom Alhamdoulilah, je suis sorti, je suis Masha'Allah, etc. Non, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui dit, est-ce qu'ils vont, quelque chose de clair qui dit, est-ce qu'ils vont savoir ces choses-là ou ne vont pas les savoir. Ça, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça, yani, en général, je ne connais pas un texte clair en ce sens, bi'idnillah azza wa jal. Non, mais je sais que, yani, le jour du jugement dernier, ils auront, yani, leur tête avec eux et ils se rappelleront des choses qui s'est passé. Naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, comme Abu Khattab lui a dit naam, yani, ils auront, yani, réfléchiront comme on est aujourd'hui, etc. Et dans le paradis, inshallah ta'ala, je crois qu'ils ne penseront qu'aux choses qui sont bien. Pourquoi? Parce que avant de rentrer au paradis, il y a une fontaine. Avant de rentrer au paradis, Allah Azza wa Jal fait laver les gens dans une fontaine pour leur enlever tout ce qui n'est pas bien dans le cœur, afin que lorsqu'ils rentrent au paradis, ils soient tous, yani, tout le monde aime les autres et ils ne pensent pas aux choses qui ne sont pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non, c'est une réponse vague. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadlal, inshallah. Akwan. Est-ce que si dans notre tombe on voit le paradis, ça veut dire que nous irons au paradis sans passer par l'enfer, ou bien on pourra aller en enfer même si nous voyons autre place, ou bien on peut aller en enfer même si nous voyons autre place en enfer? Bon, j'ai compris le début. Est-ce que si dans notre tombe on voit le paradis, ça veut dire que nous irons au paradis sans passer par l'enfer, ou bien on pourra aller en enfer même si nous voyons autre place en enfer? Non. Il n'y a pas quelque chose qui montre cela très clairement. Mais ce qui est sûr, que celui qui voit sa place au paradis, dans la tombe, bien sûr, il va voir aussi l'enfer. Mais si on lui dit, voilà l'enfer, Allah Ta'ala te l'a changé avec le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bi'idnillah, tu as assuré le paradis. C'est tout. Mais
Ça ne veut pas dire que tu n'y a pas la balance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Allah Ta'ala va te dire voilà les fautes que tu as faites. Ça ne veut pas dire qu'il est même possible que peut-être il y a l'enfer. Mais, Alhamdoulilah, quoi? On a assuré le paradis. Alhamdoulilah, on a assuré le paradis. Ça, c'est la chose la plus importante. Car, yani, ça prouve que j'étais croyant et que, dans tous les cas, bi'idna ta'ala, j'irai au paradis. Mais si c'est le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne va aller à l'enfer, ou'ayadu billah, et que sa place au paradis a été prise par une autre personne. Naam, par une autre personne. Donc, je ne sais pas exactement et je ne connais pas quelque chose de clair en ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Prochaine question, inshallah. S'il n'y a plus de questions, pour que je donne la main, je donne la parole à ceux qui lèvent la main. Al-Faqir, où est ta question, inshallah? Bon, à part Al-Faqir, est-ce qu'il y a un autre qui a une question? Oum Aliya, où est ta question, inshallah? J'ai lu dans un livre que la sueur, transpiration avant la mort est un bon signe ou un rêve. Est-ce vrai ou pas? Quelles sont les causes dans le Coran et la Sunna pour se protéger du mauvais œil? Naam. La transpiration avant la mort est un bon signe que cette personne, Inch'Allah Ta'ala, a une fin heureuse et que ce qu'il attend est, bi'idnillah, masha'Allah. Ce qu'il attend est, masha'Allah. Ce délil se trouve dans Ahkam al-Janaiz de Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Il a un livre qui s'appelle Ahkam al-Janaiz. Là-bas, il a cité quels sont les signes qui montrent que quelqu'un, yani que sa mort était une bonne mort, si je puis dire. Inch'Allah Ta'ala, il n'y a que le bien qui l'attend. Il a dit parmi ces choses, s'il meurt avec transpiration, s'il meurt avec beaucoup de transpiration et de sueur, il a dit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est un signe de quoi? Que c'est un vrai croyant bi'idnillah azza wa jal. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mawtul mu'min bi'araqi jabin ou bi'araqi jabin. Mawtul mu'min bi'araqi jabin. La mort du croyant, c'est la sueur de son front. Naam. Quelles sont les causes dans le Coran et la Sunna pour se protéger du mauvais œil? Pour se protéger du mauvais œil, il faut d'abord ne pas montrer les bonnes choses et les belles choses, ne pas les exhiber comme ça aux gens. Naam. Tu sais que tu as des voisins et que tes voisins, par exemple, sont pauvres ou là, c'est pas devant eux, yani, tu vas passer avec des choses que eux ne peuvent pas s'en acquérir. Tu vas passer avec un couffin plein de fruits, et comme ça, on voit tout. On voit les ananas, on voit les bananes, on voit les fraises, on voit, alors que ton voisin ne peut pas acheter. Si tu veux acheter des choses comme celle-là, cache-les. Achète un filet ou quelque chose comme ça, qui, lorsque tu mets la chose à l'intérieur, personne ne peut voir ce qu'il y a. Naam. À cause de quoi? À cause du mauvais œil. Donc, pour s'éloigner du mauvais œil, il faut prendre les sabab. Naam. Et quand quelqu'un achète une belle chose, comme une voiture ou là, il fait le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait sur, par exemple, le chameau. Il a acheté un chameau. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inni as'aluka min khayriha. Je peux dire l'homme s'aluka min khayriha, la voiture, ou min khayri ma fiha, wa khayr ma soni'at lahu, soni'at parce qu'elle a été construite, elle n'a pas été créée. Wa a'udhu bika min sharriha, shar ma fiha, shar ma soni'at lahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Et il disait beaucoup a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma. ومن كل عين لما العين أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لما faut beaucoup faire ces doigts, ne pas s'oublier, hein, ne pas s'oublier en train de passer le temps à rêver,
ou à dire n'importe quoi, mais plutôt à dire des douas, à prendre des douas pour les réciter, surtout dans les endroits et les moments opportuns. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Voilà ce qu'il y a. Il y a se laver avec les ablutions de quelqu'un qui nous a frappé d'œil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Une sœur doute son mari car il ne lui raconte rien de ce qu'il fait. Alors elle vérifie à chaque fois l'historique sur internet. Et elle a trouvé des photos de son ancienne amie. Wal'iyadu billah. Il ne sait pas quoi faire, sachant qu'il n'y a pas trop de communication entre elle et son mari. Quel est votre conseil, sachant qu'il lui ment régulièrement? Naam. Mon conseil, c'est qu'elle lui dise, yani, d'une façon qui laisse croire qu'elle connaît, qu'elle sait que il y a une photo quelque part et qu'elle l'a vue. Non? C'est pour ça que, yani, pour qu'il sache que, yani, elle est au courant. Mais sans dire, yani, que j'ai vu l'historique, sauf si ça demande. Si ça demande, yani, on est arrivé à un point où on doit lui dire. Yani, pour, yani, mettre les points sur les i et savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Non? C'est pour ça que, car si elle le laisse comme ça, premièrement, il va croire qu'elle est dupe, elle ne sait pas ce qui se passe. Et deuxièmement, il va continuer sur ce chemin jusqu'à ce qu'il fasse zina ou l'ayadu billah. Et pourquoi moi j'ai dit, elle ne lui dit pas carrément j'ai vu la photo, car je me suis dit peut-être son mari c'est le genre difficile qui risque de la frapper, etc. Mais si elle sait que c'est le genre, yani, qui ne frappe pas, le genre qui accepte les choses, il vaut mieux qu'elle lui dise. Elle lui dise, voilà ce que tu fais, et j'ai vu ta photo, j'ai vu une photo, etc. Si elle sait que c'est le genre qui, yani, qui la frappe pas, ou là, si elle sait qu'il va lui faire mal, yani, comme a dit le prophète, la darar ou la derar. Si elle sait que c'est le genre, même si ça lui fait mal, mais il ne la frappe pas, etc., qu'elle lui dise. Elle lui dise, il faut que tu aies peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que, yani, ce chemin ne mène pas vers ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala et que, yani, ça risque même de séparer entre nous. Elle lui donne, yani, elle lui donne des conseils en lui disant que, yani, elle lui montre que pour cette fois, c'est la première fois qu'elle peut pardonner. Et maintenant, s'il veut continuer avec l'autre, yani, qu'il cherche une solution définitive, parce qu'elle ne veut pas que son mari fasse le haram. Elle veut au contraire quelqu'un qui l'aide dans le dîme, quelqu'un qui soit à ses côtés, quelqu'un qui la seconde. C'est pas quelqu'un qui est en train de yani, irda'wa. Quelqu'un qui est en train de, comment on dit irda'wa, irda, je ne sais pas, muhim, la trahir. Non, quelqu'un qui l'a trahi en son absence. Si elle veut maintenant, si elle veut, ou là elle sait que si elle lui parle c'est grave ou là, elle peut même parler à ses parents à elle. Mais moi je conseille qu'elle ne commence pas par cela. Elle laisse cela, c'est-à-dire la dernière étape. Qu'elle soit entre lui et elle, pour que les autres n'entendent pas, et qu'elle lui dise si j'avais voulu, j'aurais dit à mes parents, etc., parce que j'ai la preuve. Mais moi, j'aurais voulu que ce soit entre toi et moi, pour qu'Inch'Allah Ta'ala, tu fasses la tawbah. Et de préférence, elle dit cela à son mari, elle le dit, dans le moment opportun. C'est pas, par exemple, elle va rentrer, elle va lui dire, toi tu fais ceci, tu fais cela, tu... Déjà il est énervé, il va pas accepter. Elle lui dit, par exemple, quand il est en train de plaisanter avec elle, quand il est en train de jouer avec elle, peut-être elle lui dit même quand ils sont ensemble dans leur chambre, quand ils sont seuls dans leur chambre. Elle profite du moment où il est faible. Elle profite du moment où il est faible et elle peut lui dire cette chose. J'espère qu'elle a compris, Inch'Allah Ta'ala, ce que j'ai voulu dire. Naam. Prochaine question, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala an yub'ida anhu shar wa an yahdiya qalbahu wa an yuthabbita.
est-ce que celui qui va est-ce que celui qui voit sa demeure dans la tombe veut dire qu'il ira d'office au paradis? Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, quand il voit sa demeure dans la tombe du paradis, ça veut dire que inchallah ta'ala, il va aller au paradis, c'est tout. Ça ne veut pas dire que khlas, yani, il va aller directement. Ça veut dire que bi'idhnillah ta'ala, il va aller au paradis. Naam. Mais d'office, je ne sais pas. Wallahi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va aller d'office, mais je sais que il y a beaucoup de choses qui attendent. Il y a beaucoup de choses qui attendent. Il y a la balance qui attend. Il y a Allah Ta'ala qui va venir. Il y a Allah Ta'ala qui va yuqarrir dhunub. Il va dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Il y a beaucoup de choses qui attendent. Pas comme ça directement au paradis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui attendent. Naam, c'est-à-dire sans passer par l'enfer. Naam, je parle de cela. Je dis, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui voit le paradis dans la tombe, ça veut dire qu'il va aller directement au paradis. Je ne sais pas. Je sais que ça veut dire que il va finir dans le paradis. Il va finir bidna dans le paradis. Mais est-ce qu'il va commencer par l'enfer? Je ne sais pas. Je ne connais aucun délit qui montre. Est-ce qu'il va aller directement ou là il va pas? Je ne connais aucun délit. Non, je ne connais aucun délit. On m'a posé la question tout à l'heure. Inch'Allah ta'ala, je demanderai. Je demanderai s'il y a quelque chose, peut-être que je ne connais pas en ce sens. Naam. Prochaine question, Inch'Allah, tafaddal. La question est longue, je vais la couper, Inch'Allah, et je mettrai un quand c'est fini. Naam. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant le hadith sur l'amour ou la haine d'Allah Azza wa Jal, qu'entend-on par les vrais croyants qui éprouvent soit de l'amour pour quelqu'un, soit du rejet? Pouvez-vous expliquer le sens des vrais croyants? Car Allah alam, de leur sincérité, certaines personnes se prenant pour des croyants sincères se permettent de dire à d'autres qu'elles ne l'aiment pas. Donc Allah ne l'aime pas. Bien croyant, peut-il parler de la sorte? Peut-on prétendre que le fait d'avoir une branche de la foi fait de nous un musulman complet? Car Allahu alam, mais la foi est faite de plusieurs branches. Naam. Tayyib. Concernant le hadith sur l'amour ou la haine d'Allah Azza wa Jal, quand on entend par les vrais croyants qui éprouvent soit de l'amour pour quelqu'un, soit du rejet, pouvez-vous expliquer comme le sens des vrais croyants? Car Allahu alam. Car Allahu alam de leur sincérité. Certaines personnes se prenant pour des croyants sincères se permettent de dire à d'autres qu'elles ne les aiment pas. Donc Allah ne les aime pas. Mais un croyant peut-il parler de telle sorte? Et, tayyib, tout ça c'est une question. Sauf, Allah Azza wa Jalla, quand il aime une personne, ça veut dire que cette personne est pieuse. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les pervers, n'aime pas les kuffars, n'aime pas les alcooliques, n'aime pas les fornicateurs, n'aime pas ceux qui font l'usure, n'aime pas ceux qui jouent la loterie, et comme ça. Donc Allah Azza wa Jalla, s'il aime quelqu'un, c'est quelqu'un de pieux. Il demandera à Jibril de l'aimer et les anges de l'aimer et il va descendre cet amour dans le cœur, dans les cœurs des gens pour qu'ils l'aiment. Qui sont les gens? Qui sont les gens qui vont l'aimer? Regardez. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen ou le Cheikh Al-Albani? Est-ce qu'il était pieux? Il était masha'Allah ou là il n'était pas bien? Tout le monde, inshallah ta'ala, ahsabuhum akadhalik wa lawzika Allah ahadan, diront que Cheikh Al-Albani était un pieux et que Cheikh Ibn Uthaymeen était un pieux, masha'Allah. Est-ce que tous les musulmans, par exemple, aiment Cheikh Ibn Uthaymeen, aiment Al-Albani? C'est pas possible. Il y a des gens même qui font la prière et qui disent Cheikh Ibn Uthaymeen n'est pas bien. Cheikh Al-Albani était ceci, était cela. Il l'aime pas. Et pourtant, il est musulman. Et il fait la prière. Cette personne est musulman, il fait la prière, il n'aime pas cette personne. Allah Azza wa Jal fera aimer cette personne par les personnes, les vraies pieuses, celles qui sont dans ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas les mubtadi' et les innovateurs et les pervers, tout cela, leur amour ou leur haine n'a rien à voir ici. N'a rien à voir ici. Mais celui qui est dans le vrai chemin, celui qui est, yani, celui-là, il sentira que ses soldats à lui concordent avec les soldats de l'autre personne.
comme a dit le professeur Hassan, il a dit que nos âmes ont des soldats. Il a dit, si les soldats se reconnaissent, les deux personnes vont s'aimer, vont se compléter. Il a dit, si les soldats ne se reconnaissent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le même minhaj, ils ne sont pas dans le même sentier, ils ne vont pas s'aimer. C'est pour ça que nous, des fois, on dit, cette personne, subhanallah, je ne l'ai pas aimé. Non, les soldats à lui et les soldats à toi ne sont pas dans la même chose. C'est pour ça que, toi, tu vois une personne que tu n'as jamais vue, tu entends seulement parler d'elle, tu commences à l'aimer. Tu dis, cette personne, mashallah, elle faisait ça, elle faisait la prière de la nuit, elle faisait ceci, elle donnait de l'argent aux pauvres. Tu l'aimes même sans l'avoir vu. Et des fois, dès que tu vois un alim, par exemple, tu l'aimes aussi. Pourquoi tu l'aimes? Il n'y a rien entre lui et toi. Il y a justement cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans ton cœur pour que tu aimes cette personne. Mais, ça ne veut pas dire que si une personne va dire, moi je n'aime pas cette personne, ça veut dire que elle est pieuse et elle dit j'aime pas cette personne, alors ça veut dire Allah n'aime pas cette personne. Non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est est-ce que cette personne est dans le vrai chemin et elle est dans ce que Allah Ta'ala aime, cette personne-là, qui, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé, mais ce n'est pas ce que disent les gens qui est la preuve. Ce n'est pas ce que disent les gens. Là, c'est le contraire. Et si cette personne est vraiment dans ce que aime Allah, les autres vont l'aimer. C'est ça, mais c'est pas le contraire. C'est pas parce que moi j'aime pas une personne, c'est parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je suis pieux et donc cette personne elle n'est pas bien, il faut pas l'aimer. Non, justement c'est tout à fait le contraire. Non, c'est pour ça que les ulama ont dit l'amour des pervers et des pécheurs, ceux qui font les péchés, ça n'a rien à voir avec cette chose-là. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, un croyant peut-il parler de la sorte? Non, il ne peut pas parler de la sorte, le croyant. Il ne peut pas parler de cette sorte. Naam. Peut-on prétendre que le fait d'avoir une branche de la foi de nous fait de nous un mu'min complet? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Un mu'min complet, c'est celui qui a joint entre toutes les branches. Il a toutes les branches de l'arbre. Ce n'est pas celui qui a pris un rameau ou une branche. Non, celui-là il est musulman, il est mu'min dans le sens de musulman, mais pour être complet, il faut qu'il prenne tous les rameaux et toutes les branches qu'il y a. C'est pour ça que deux personnes ont de la foi, ils sont différents d'après le nombre de rameaux et de branches qu'ils ont. Moi par exemple, je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je fais la prière, je fais la zakat, et je fais le jeûne, je fais le hajj. Une deuxième personne a les cinq choses comme moi. Elle dit, Layla, Muhammad Rasulullah, elle fait la prière, salat, zakat, hajj. Et elle a quoi? Elle a une sixième chose. Qu'a-t-elle? Elle est pudique. Donc, cette personne, son iman est plus élevé que le mien. De quoi? D'une branche. Elle a une branche plus que moi. Tistahi, l'hayamin iman. Une autre personne a les six choses. Et en plus, quand elle trouve quelque chose dans la rue, une peau de banane, elle l'enlève pour que les gens ne tombent pas. Cette personne a autre chose, donc elle a un rameau de plus. Sa foi est plus grande que la deuxième personne et plus grande que la troisième. Et ainsi, jusqu'à ce qu'il ait tous les rameaux. Comme a dit le prophète, Bidrou et Subroun, Shurba. 78 ou la 77 rameaux là, soit 70 et quelques, il y a plus de 75. Et on monte. 77, 78, 79. Là seulement, on peut dire que celui-là, il a le parfait iman. Il a le iman qui est parfait. Non. Donc la perfection, c'est, ça dépend d'une personne, ça diffère d'une personne à une autre. Sabla, inshallah, prochaine sourate. نعم أخت سلفية attendez-moi inshallah ta'ala j'ai besoin نعم inshallah je termine à une heure vous dites à la soeur que je termine à une heure il est minuit 30 il reste une demi-heure inshallah et je ferme même si je suis en train de parler je me coupe et je ferme en cas de décès d'un de mes mahrams ai-je le droit ou pas d'embrasser celui-ci sur le front
après la toilette mortuaire. En cas de décès d'un des mahrams, ai-je le droit d'embrasser celui sur le front après la toilette mortuaire? Est-ce que les femmes dont le défunt n'était pas le mahram, exemple la belle-sœur, ont le droit ou pas d'embrasser celui-ci sur le front après l'ouvrage? Non. N'ont le droit de l'embrasser que les maharim. Non. Ça veut dire la belle-sœur n'a pas le droit de l'embrasser. Toute personne qui, s'il était vivant, il aurait pu se marier avec elle, elle n'a pas le droit de l'embrasser. Ni mort ni vivant. Non. Elle n'a pas le droit de l'embrasser, ni mort ni vivant. Toute personne qui, s'il était vivant, il serait marié avec elle, n'a pas le droit de l'embrasser. C'est pour ça que sa femme, par exemple, quand il meurt, seule sa femme peut le laver. Pourquoi? Parce que quand on lave un mort, c'est comme la janaba. On commence par les parties intimes, mais on monte. Donc, qui va lui laver les parties intimes? Sauf sa femme, qui a le droit de voir et toucher ces choses. Mais les autres, non, jamais, au grand jamais. Non. Sa sœur peut l'embrasser sur le front, ou alors peut le laver, mais sans arriver à ses parties. Non, mais sa femme, non. Pourquoi? Parce qu'elle a le droit de toucher, elle peut toucher et voir ces endroits-là. Non. Prochain sourate, inshallah, tafaddal. Afoun. Salam alaikum. Combien de temps pouvons-nous rester prosternés en prière maximum? Il n'y a pas de maximum. Non. Il n'y a pas de maximum dans la prosternation. Si quelqu'un peut se prosterner jusqu'à 2 et 3 heures, qu'il le fasse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois se prosternait jusqu'au point que les compagnons qui étaient derrière lui croyaient qu'il était mort. Imagine. Il fait la prière avec les gens et se prosterne des fois au point où tu te dis peut-être qu'il est mort. Il n'a pas dit Allahu Akbar, il ne veut pas dire Allahu Akbar, peut-être qu'il est mort. Et au point que certains levaient même la tête pour voir. Et lorsqu'ils le voyaient prosterné, ils revenaient dans leur position prosternée. Mais je pense quand quelqu'un est seul, maintenant quand quelqu'un est avec les gens, il doit faire vite, comme vous connaissez le hadith. « Man amman nasf liyukhaffif » Mais s'il est seul, il peut rester s'il veut une heure et demie de prosternation, à condition que il parle dans la prosternation. Il ne reste pas, yani sakit. Même le doua, il peut le répéter 5 fois, 10 fois. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il peut le répéter 10, 15, 20, 30 fois. Ça c'est un verset, mais on peut le dire. Pourquoi? Parce que c'est un doua. Mais on ne peut pas lire le Coran. Prosterné, on ne peut pas lire le Coran. On peut faire des doigts, même si ce sont des versets. Naam. Le frère Algérien Forever se passe le salam et se dit que c'est un élève du Moussid Houda al-Hadjou, qui n'a pas vu depuis 10 ans. Alaykoum alayhi salam. اكتب واسمه اكتب من انت والله ما عرفتك عليك وعلي السلام اكتب من انت اكتب من انت بارك الله فيك نعم او بلغني الاخر وصلني الاخر قول بس من انت بارك الله فيك جزاك الله خير خوشان سؤال ان شاء الله تفضل vous avez dit on a pouvez-vous les traduire en français je les connais pas vous avez dit lorsqu'on fait la salat Allah est en face de nous nous répond. Vous avez dit des paroles en arabe. Pouvez-vous les traduire? Je ne les connais pas en français. C'est difficile. Naam. Je peux, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, si vous voulez, je peux les chercher et vous les dire. Mais comme ça, traduire de ma tête, comment on dit, Majjadani Abdi et Asna Ali Abdi, c'est difficile. Asna Ali Abdi, c'est, ça veut dire, mon serviteur a vanté, par exemple, mes mérites ou là, mes valeurs. Naam. Mais Majjadani Abdi, je ne sais pas comment. C'est pour ça que je peux, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois, si vous voulez, Bi'idna Azzawajal, Naam. Je ne sais pas comment les traduire. M'a fait des éloges. Naam. C'est possible, m'a fait des éloges. Naam. Majjadani Abdi. Asna Ali Abdi. Naam. Mais pour donner le vrai sens en français, c'est pour ça que quand on traduit, il faut vraiment être fort.
pour vraiment être fort pour traduire yani la vraie traduction. Naam. Alors le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Naam. اسمع يا جبي بودي دابور لو حديث كي لدي استغفر الله وتوبه. يقول الله عز وجل quand on dit الحمد لله il dit حمداني عبدي حمداني عبدي ça veut dire عبدي a dit الحمد لله حمداني c'est comme presque il m'a remercié. يقول si tu dis الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي mon serviteur m'a fait des éloges. Ensuite quand tu dis مالك يوم الدين يقول الله عز وجل il dit مجداني عبدي مجداني peut-être que مجداني je ne sais pas, c'est un peu difficile à dire en français, mais ça rentre toujours dans les louanges etc. نعم, ça rentre dans ces choses inshallah ta'ala. تفضل prochain سؤال inshallah. حمداني نعم je pense خلي حتى pour être sûr inshallah حتى نجيب l'akhir qu'on soit sûr inshallah ta'ala. تفضل prochain سؤال ان شاء الله. Dans le hadith on vous dit qu'on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, nomme-t-il par son prénom barakallahu fik. Il la nomme. نعم الله عز وجل نوم car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit الله عز وجل dit إني أحب فلانا نعم إني أحب فلانا فأحبه أحب فلانا جام أنتل صديري le cite ou bien nom et prénom ou bien nom mais il doit le citer pour que Jibril sache qui c'est pour qu'il dise aux anges الله عز وجل vous demande d'aider X. Il le nomme, il faut qu'il le nomme. Et s'il le nomme, il doit le nommer aussi par le prénom. Sinon, s'il dit nom de famille, par exemple, nom de famille, la famille peut être nombreuse. Donc il doit sûrement le citer avec son nom et son prénom pour qu'il soit connu de Jibril et des anges. Quant à Allah Azza wa Jal, il le connaît d'emblée, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala a'alam. Naam. Prochaine question, inshallah. Salam alaikum. Al-Faqir Allah, il n'est pas dans le DAS. La question n'est pas dans le DAS. Bon, dans le commerce, pour ne pas perdre de temps. Existe-t-il un plafond dans le gain? Par exemple, j'achète un livre à 1 euro, puis-je le vendre à 1000 euros? Qu'Allah vous donne une longue vie dans la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Pour vendre une chose, tu demandes quel est le prix de cette chose et combien se vend-elle? Combien qu'elle se vend en général? Voilà comment tu dois vendre. Bin ma'ruf. Ça veut dire, si tu as acheté un livre à 1 euro et maintenant il se vend à 1000, tu le vends à 1000. Parce que tout le monde le vend à 1000. Naam. Tu regardes comment qu'il se vend. Comment le vendent les gens. Comment qu'il se vend dans le souk. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète alayhi sallam a dit la darar wa la dirar. Il a dit la darar wa la dirar. Ça veut dire on ne fait pas de mal aux gens comme on ne se fait pas de mal à soi-même. Naam. Saddam inshallah. Prochain sourat. Je voudrais savoir si dès que l'on a un problème, on fait la salat pour demander à Allah de nous éloigner de ce problème ou de nous la faciliter, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que cette prière s'appelle la salat du besoin et peut-on la faire à tout moment? Je voudrais savoir si dès que l'on a un problème, on fait la salat pour demander à Allah de nous éloigner de ce problème. La même chose. Ah. Il faudrait d'abord que vous sachiez que
il n'y a pas une salade comme ça exactement qui dit la salade du besoin. On dit il y a salade Doha, il y a salade Fiada, il y a salade Fiada. Non, c'est comme salade Tauba. Il n'y a pas une salade qui s'appelle salade Tauba. Non, il y a salade Istikhara, il y a Doha, il y a toutes les salades sont connues. Tesbih, etc. Maintenant, quand quelqu'un, yani, a un problème et il va rentrer dans la salade, il choisit de préférence les meilleurs moments. Non, il choisit de préférence les meilleurs moments. Maintenant, si c'est quelque chose de pressé, yani, de préférence, comme il dit Ibn Rathim, par exemple, pour salat Al-Khara, il dit, on la laisse, par exemple, au moment où la salade est permise. Il a dit, mais si c'est précis, tu peux la faire à n'importe quelle heure. Même si c'est interdit, tu peux la faire parce que ce n'est pas une nafila. Ce n'est pas une nafila simple. Mais c'est une nafila qui est yani, à cause d'un sabab. C'est pour ça que si quelqu'un veut rentrer dans cette salade, de préférence, il choisit les moments où la salade est acceptée. Mais s'il se voit dans le besoin, Inch'Allah ta'ala, ça se fait. S'il se voit dans... Pour être plus sûr que ça se fait, il fait dans sa tête que c'est à cause du wudu. Parce que toi, maintenant que tu vas faire une prière, qu'est-ce que tu vas faire? Va faire le wudu, même si tu as déjà les ablutions, mais va faire le wudu. Pourquoi? Comme ça, quand tu fais le wudu, ça veut dire que maintenant, il t'est permis de faire deux rak'at après le wudu. Alors, dans ces deux rak'at, profite et demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner ces choses de toi. Donc, Inch'Allah ta'ala, si tu fais les ablutions, tu es sûr que tu peux les faire à n'importe quelle heure, bi'idhn azza wa jal. Inch'Allah ta'ala. Tu sais la prochaine question, Inch'Allah ta'ala. Comment savoir qu'une personne nous frappe par le mauvais œil? Y a-t-il des signes qui doivent nous interpeller? Des fois, on sent en la personne elle-même qu'elle a un mauvais œil. Nan. Sauf, des fois, il y a deux personnes. Tu dis à cette personne, par exemple, j'ai acheté une belle voiture. Tu dis à cette personne, tu sens que cette personne est très contente. Tu vois son visage qui est lumineux, masha'Allah. Tu sens, elle t'enlace et elle te dit, barakallahu laka fiha, Allah yuhafidha laka fiha. Tu sens, ça sort du cœur. Tu dis à une deuxième personne, j'ai acheté une voiture. Tu sens que cette personne ne peut même pas te dire barakallahu fik, c'est difficile. Cette personne devient jaune. Elle devient jaune comme un citron. Quand elle apprend que tu as une bonne nouvelle pour toi. Naam, elle devient jaune comme un citron. Elle peut même pas yani, venir te dire mbrouk alik. Elle a appris que par exemple ton fils a eu je ne sais pas quoi, le baccalauréat et que tout le monde vient pour te dire mbrouk alik. Elle ne peut pas venir. Ici elle vient difficilement. Contre cœur. L'envie, le hasad, chez certains gens, il est visible. Et le prophète, alayhi sallam, a dit, il n'y a pas une des personnes de nous qui n'a pas le hasad. Mais seulement il dit qu'il faut essayer de l'éloigner au maximum. Il n'y a pas celui qui n'a pas le hasad. Celui qui vous dit, j'ai pas le hasad, c'est un menteur. C'est pour ça que Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى يوم من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد الى حسد je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me réfugier du mal de l'envieux هذا ولا comment il s'appelle اذا حسد s'il fait les envies s'il envie ça veut dire le hasad il existe mais ne le fais pas c'est tout n'envie pas on a tous l'envie dans le cœur mais on essaye mashallah de purifier notre âme pour ne pas envier. Maintenant, le mauvais œil, ce sont des choses qu'on ne voit pas, de ne pas voir, qui sortent du cœur par les yeux. Et elles vont
c'est comme des rayons de soleil par exemple, le rayon par exemple, le rayon X, laser. On a du laser dans le cœur. Laser est yani, tuant, d'après la souillure qu'il y a dans le cœur. Et ça sort des yeux et ça frappe la personne. Ça peut la faire tomber, ça peut la paralyser, ça peut la faire glisser seulement, elle se lève, et elle peut la faire mourir sur le coup. Elle tombe, elle meurt. Beaucoup de gens racontent qu'il y avait dans des villages des gens qui étaient très connus pour le mauvais œil. Si tu passais devant lui avec une vache, elle mourrait yani, sur le coup. Ou alors, elle n'arriverait pas à la maison. Elle va marcher encore 10 mètres, elle va boiter, ensuite elle va tomber, elle va agoniser. C'est pour ça que Ibn Qayyim alayhi rahmatullah a dit si on est sûr que quelqu'un frappe les gens du mauvais œil, surtout si c'est au point de les tuer, il a dit, il est obligé au gouverneur al-Hakim d'emprisonner cette personne. Il l'emprisonne pas dans une prison, mais dans sa maison. Il le fait ce qu'on appelle résidence astreinte. Il l'astreint. Il lui dit, tu restes dans ta maison et on va te faire une paye, on va te donner ce que tu veux et yani, les gens, ta famille te visiteront ici, mais seulement tu ne sors pas de la maison, c'est interdit. C'est Cheikh Ibn Qayyim Allahyarhamo a dit cela. Il a dit, naam, pourquoi? À cause du mal qu'il a, à cause du mal. Ensuite dit, donc c'est quoi la question? Y a-t-il des signes? Naam, y a des signes. Yani, tu te sens fatigué, tu te sens faible, tu sens que tu n'as pas envie de telle chose. Pourtant, il dit, mashallah, cette chose, là, tu n'as plus envie d'elle. Tu n'as plus envie d'elle, tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de... Naam, tout ça, c'est le mauvais œil. Naam, c'est le mauvais œil qui fait cela. Et lisez le livre de... le livre de comment on se guérit ou la comment on se soigne, pardon, comment on se soigne. J'ai cité une fois son nom, comment il s'appelle, ce livre, il est mashallah, il se trouve aussi sur internet. Il parle du mauvais œil beaucoup en détail, il parle de la ruqya, il parle, c'est comment se soigner, je crois qu'il s'appelle comment se soigner. C'est de Sedlan, je crois Abdallah Sedlan. Il se trouve ce livre sur l'internet. Tu écris sur Google comment se soigner et Inch'Allah ta'ala il te donne le livre. Inch'Allah, il reste juste un quart d'heure. Inch'Allah, prochaine question. Quelqu'un m'a dit c'est la médecine prophétique. Je lui dis c'est pas la médecine prophétique, c'est pas Tibb al-Nabawi, non. Ibn Nabawi, c'est de Ibn Qayyim. Celui-là, c'est un contemporain. Il est maintenant. Là, il y a un livre qui est fait Tu'alijou Nafsak. Comment tu te soignes toi-même. Il n'y a pas de question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'une personne peut subir les châtiments de la tombe sans aller en enfer par la suite? Qu'en est-il de la fenêtre qui va s'ouvrir dans la tombe? Et qu'en est-il des anges qui viendront chercher cette personne? Est-ce qu'ils seront les anges qui annonceront la miséricorde ou les autres? Barakallahu fik. La hawla wa la quwwata illa billah. Je répète. Est-ce qu'une personne peut subir les châtiments de la tombe sans aller en enfer par la suite? Naam. Pour la première question, naam. Quelqu'un peut subir les supplices de la tombe pour ne pas aller où? Pour ne pas aller en enfer. Naam. Il a fait des péchés ici, etc. Allah Azza wa Jalla veut quoi? Veut le purifier. Il n'a pas pu être purifié dans cette vie. N'a pas eu assez de maladies ni assez de malheurs, car les maladies, les malheurs, etc., annulent les péchés, alhamdoulilah. Il n'en a pas assez. Il est mort. Alors maintenant, c'est dans la tombe, si Allah Azza wa Jalla lui veut du bien, c'est dans la tombe qu'il va lui donner des supplices jusqu'à ce qu'il le purifie, Inch'Allah ta'ala. Qu'en est-il de la fenêtre qui va s'ouvrir dans la tombe? J'ai pas compris qu'il savait qu'en est-il. Non. Qu'en est-il de la fenêtre qui va s'ouvrir
dans la tombe. Yani, qu'est-ce qu'il va voir celui-là? Sûrement qu'il va voir, yani, qu'il va aller au paradis. Si c'est ça la question. Seulement que, sûrement, il va voir qu'il va aller au paradis. Naam. Parce que celui-là, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a obéi, mais il avait des petites fautes. Il avait des petites fautes comme tout le monde en a. Il avait certains péchés qui sont partis avec lui dans la tombe. Naam. Qu'en est-il des anges qui viendront chercher cette personne? Est-ce qu'ils seront les anges qui en sont la misère ou les autres? Naam. Si la personne est kafir ou bien adou billah, Naam. Si cette personne est kafir, bien sûr, ce sont les autres anges qui viendront. Mais dans une autre version, c'est dit aussi s'il est pervers. Un autre hadith sahih, il dit wa amma al kafir ou al fajir ou al fajir. Al fajir, c'est le pervers aussi. Le pervers, c'est qui a passé toute sa vie à faire les grands péchés, c'est sûrement pas Malik al Maut qui va lui dire oh âme purifiée. C'est sûrement pas, hein? Sûrement pas une âme purifiée celle-là. Non, qui a passé toute sa vie à faire les grands péchés. Non, toute sa vie. Yani, il a accumulé des montagnes de grands péchés, il n'a pas fait le repentir. Ça rentre dans le hadith où il est dit le fajr, le pervers. Celui-là, yani, il a la même chose que le kafir, sauf que il viendra le jour où il sortira de l'enfer, alors que le kafir ne sortira pas de l'enfer. Voilà la différence entre les deux. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah, il reste 10 minutes. Tafadhal. Sakhirallah, tafadhal. Est-ce que dans la tombe, on peut passer des supplices aux délices? Ou bien on y reste jusqu'au jour du jugement dernier? Naam, on peut passer des supplices aux délices. On commence. Mais pas le contraire. On passe des supplices aux délices, et on passe pas des délices aux supplices. Si c'est directement les délices, c'est masha'Allah. Mais si ça commence par des supplices, ça peut en finir, ça peut ne pas en finir. Si c'est kafir, ça n'en finit pas. Mais si c'est quelqu'un qui avait seulement certains péchés et qui n'ont pas été annulés ici dans cette vie, alors on lui fera certains supplices et il passera au délice. Non, on lui fera certains supplices et il passera au délice. Comme le hadith que j'ai cité une fois de quelqu'un que Allah Azza wa Jalla a dit, fouettez-le 100 coups de fouet dans la tombe. Il a fait des doigts, beaucoup de doigts dans la tombe. Ensuite on l'a châtié avec un seul fouet, on l'a frappé un seul coup. Ensuite on lui a dit, parce que yani, tu as fait une salate sans wudu. Tu as fait une salate sans wudu. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a demandé qu'on te fouette sans coup de fouet. Naam. Prochaine question, inshallah. Tfadlal barakallahu fikoum. Tfadlal. Inshallah ta'ala, demain c'est jeudi. Jeudi on n'a pas d'ars. Demain c'est jeudi, ça. Vendredi on n'a pas d'ars. Le prochain dars c'est samedi, inshallah ta'ala. Mais vendredi, on fait question-réponse seulement, sans dars. Je vois que vous avez beaucoup de questions. On fait vendredi, inshallah ta'ala, sans faire le dars. Question libre, à main levée, bidna azawjul, pour ceux qui n'ont pas posé leurs questions aujourd'hui, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La belle-mère d'une sœur a menacé la sœur de la faire sortir chez elle, de la faire souffrir par la maladie, par la sorcellerie, elle a pu avoir fait de la sorcellerie à son fils, le beau-frère de la sœur, en disant qu'elle va avoir des juifs. La belle-mère fait référence à des raqis, en disant juifs. Sachant que la belle-mère a déjà fait beaucoup de sorcellerie avec un sorcier. Et la dernière fois qu'elle avait fait à la sœur, elle était tombée énormément malade. L'Europe a été énormément difficile. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Est-ce que cette sœur peut vous téléphoner, mes fadlik? Car je ne peux pas donner tous les détails. Naam. Elle me téléphone ou elle écrira des mails comme elle veut. Naam. Elle me téléphone, je lui donne le numéro de la maison et l'heure qu'elle peut me téléphoner. Bi'idnillah Azza wa Jal. Naam. L'heure qu'elle peut me téléphoner. Bi'idnillah Azza wa Jal. Tayyib. Naam. Pour l'adresse, c'est celle-là. Apprendre l'islam, gmail.com. Naam. Ça c'est pour l'adresse, inshallah ta'ala. Naam. Naam.
quel conseil pouvez-vous lui donner? Je lui donne les conseils, c'est de... Non, c'est difficile. Allah, c'est difficile d'avoir une belle mère pareille. Très difficile même. Je lui demande de faire beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, d'éloigner d'elle son mal. Et d'être très prudent, de lire beaucoup et être mu'awidat, faire beaucoup de doigts et ne rien tenir d'elle. Ni boire des choses d'elle, ni manger des choses d'elle, ni... C'est vraiment difficile. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce que yani, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ibn Azza wa Jal. Non. Vendredi, inshallah ta'ala, je donnerai mon numéro de téléphone. Inshallah, vendredi, je le donnerai. Non. Prochaine question, inshallah, tafadhal. Puis-je vous poser des questions hors cours? Tafadhal, là, hors cours, tafadhal. Il reste 5 minutes, tafadhal. Oum Aliya, attends. Oum Aliya a une question hors cours, tafadhal. Oum Aliya a une question hors cours, tafadhal. Plutôt sur le cours, tafadhal. Oum Aliya, pose la question sur le cours. J'aurais voulu savoir si le dalil que tu dis sur l'Albani Ahmad concernant le port de l'or pour les femmes, sachant qu'il y a un khilaf entre nos savants. J'ai vu en rêve une personne morte qui me montrait ce que Allah lui avait donné et il était heureux, mashallah, une autre personne qui était fatiguée. Je voudrais savoir si c'était vraiment comme ceux-là qui sont actuellement dans leur tombe. J'ai vu en rêve une personne morte qui me montrait ce qu'Allah lui avait donné et il était fatigué. Il était heureux, mashallah, une autre personne était fatiguée. Je voudrais savoir si c'était vraiment comme ça qu'ils sont actuellement dans leur tombe. Tout en sachant que la première personne était très pieuse, mashallah, et la seconde personne faisait du shirk, akbar. Allah Azza wa Jal en préserve. Amen. Qu'Allah fasse de nous des personnes pieuses sur terre. Amen. Naam, il est possible que, inshallah ta'ala, ce que tu as vu soit d'Allah Azza wa Jal pour te montrer que la personne pieuse te montrer des choses, mashallah, ça veut dire qu'elle est mashallah, elle est heureuse, et que l'autre qui était fatigué, naam, la fatigue, bien sûr, c'est le mal. Hein, quand on a mal, on est fatigué. Et mal, parce qu'on faisait aussi du mal. On faisait aussi du mal. Donc c'est possible que, inshallah ta'ala, ça soit ce que tu as vu, un songe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah azza wa jil a'lam. Naam. Oui, le frère Al-Albani, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé dans la liste. Il est en bas. Non, je suis en train de chercher. Albani. Là, pas, je ne l'ai pas trouvé. Non. Je n'ai pas trouvé l'Albani. Salam alaikum. Pour le repentir de ses péchés, est-il nécessaire de faire repentir pour chaque péché ou bien pour tous les péchés? Non, maintenant que les péchés ont déjà été faits, on te bi'idna ta'ala pour tous les péchés. Mais si, après avoir fait le repentir, on fait un autre péché, donc dans ce cas, on fait de chaque péché. Non. Comme ça, maintenant, en général, on fait de tous les péchés. Mais après avoir fait le repentir, si on refait un autre péché, on n'attend pas. On fait du nouveau péché. On lui fait son repentir. Et comme ça, chaque fois qu'on ajoute un péché, on lui fait son repentir bi'idna azza wa jal. Naam. Tayyib. C'est qui le prochain, inshallah? Salam alaikum. Lorsqu'on a de l'argent, est-il préférable de faire directement le hajj ou est-il mieux d'économiser cet argent pour la hijra? Est-il préférable de faire directement le hajj ou est-il mieux d'économiser cet argent pour la hijra? Naam. Si on a de l'argent et que le hajj est arrivé, on ne le laisse pas passer. On ne dit pas, Khali, je vais faire la hijra. Le hajj est arrivé. Tu peux partir, pars. Car tu ne sais pas ce qui va se passer d'ici demain. Tu peux même aller au hajj et ne pas revenir. Et mourir là-bas. Naam.
le hajj, si quelqu'un, comme a dit le prophète, yani, si quelqu'un peut le faire et l'occasion lui vient, il ne la laisse pas, il ne la laisse pas passer. Ce n'est pas comme les autres qui attendent jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans pour aller au hajj. Il te dit, je suis jeune, j'ai 18 ans. Et la femme, elle dit, moi je suis jeune, j'ai 17 ans. À 17 ans, je vais aller au hajj. Le hajj, c'est pour les vieilles. Le hajj, c'est pour la femme qui a 60 ans. Qu'est-ce que je vais faire, moi, j'ai 17 ans. Je ne vais pas au hajj maintenant. Non, le hajj, dès que tu as l'occasion, tu es pubère, tu as 13 ans, 14 ans, tu es pubère, la première occasion, tu sautes dessus. Non, car tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Comme a dit le prophète, il l'a dit, il se peut que vienne un empêchement et que tu n'as jamais au hajj, qui est un pilier de l'islam. Non, voilà ma nasiha pour le hajj. Dans la dernière question, l'un de vous pose, inshallah ta'ala, la dernière question. Sauf si elle est courte, alors deux questions, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, les autres, auxquels je n'ai pas répondu, inshallah ta'ala, vendredi. Vendredi, inshallah ta'ala, il n'y aura pas de das. Il n'y aura pas de das, seulement, inshallah ta'ala, pour répondre à vos questions. On restera, inshallah, deux heures. Seulement pour vos questions, inshallah ta'ala. J'aurais voulu savoir le délit qu'utilise Cheikh Al-Albani rahimahullah concernant le port de l'or pour les femmes, sachant qu'il y a khilaf entre nos savants. Naam, le délit, il y en a beaucoup. Tu dois lire son livre. Naam, lis le livre Adab Zifaf et Adab Zifaf, naam. Et tu trouveras à l'intérieur ces délits qu'il a employés pour empêcher la femme de mettre l'or qui, pas n'importe quel or, l'or qui se boucle, l'or qui est en forme de boucle, de cercle et de cerceau. Alors, tu peux lire, Inch'Allah, ces dalils, il est dalil des autres, de tous les autres qui ont dit, il est permis à la femme qu'elle mette de l'or, tout or, il est permis à la femme qu'elle le mette. Et Inch'Allah, tu vois où ton cœur penche, bi'idnillah azza wa jal. Naam. Inch'Allah ta'ala, je dois vous laisser, il est 1h du matin. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer, comme j'ai dit, pas demain, après demain, vendredi, Inch'Allah. On se rencontrera vers 20h chez vous, peut-être un peu avant. Ce sera seulement, Inch'Allah ta'ala, pour les questions et vos réponses. D'ici vendredi, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal, an yahfazana jami'an, wa yuthabbita qulubana ala dinih, wa yu'inana, wa yifta'alina futuhat mi'indih, wa yishfiya mardana, wa yuwafiqana lima fihi khair al-akhirah wa dunya. عفوا مرة أخرى يجدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.